bueno, pues muy contento de estar aquí con la invitación de los amigos y del espacio que nos acoge. Très content d'être ici avec des amis et avec le lieu d'accueil. Un viaje que simplemente era para ver a algunos amigos franceses, pues se ha convertido en otra cosa. Un voyage, donc il est venu d'Espagne, c'est un voyage qui était juste pour voir les amis français et c'est en train de se transformer en autre chose. Y bueno, me ha permitido revivir los momentos, bueno, con todo lo que está pasando en Republic, revivir algo de lo que vivimos en Sol, en el 15M. Et ce voyage m'a permis de revivre quelque chose que nous avons revécu, donc ce qui se passe actuellement en République, quelque chose que nous avons vécu à Sol pendant le 15M, le mouvement des indignés. Que bueno, es para mí, y no solo para mí, sino para muchos otros, es uno de los mayores regalos vivir esa experiencia que nos ha hecho la vida, ¿no? Et c'est très bon pour moi et puis pour d'autres de participer en ce moment qui, disons, est un cadeau de la vie. Lo que había pensado un poco con Pablo es no tanto hacer una conferencia. Ce qu'il avait pensé avec Pablo, ce n'était pas tant de faire une conférence, sino proposer trois points de débat et ouvrir la discussion. Mais essentiellement proposer trois points de débat et ouvrir une discussion ouverte. Trois points de débat, disons que je encuentro en les discussions politiques avec les amis militants du 15M en Madrid. Trois points de débat qu'il retrouve essentiellement dans les débats qu'il a autour du 15e avec ses amis à Madrid. El primero, la verdad es que yo lo imaginaba más pensando en un público mayoritariamente español. Alors, le premier point, c'est que lui, il pensait avoir un public majoritairement espagnol. Pero, bueno, es muy, para mí, muy sorprendente la referencia constante en Republic a el movimiento de los indignados. Mais pour lui, c'est très surprenant de voir que la référence continue autour du 15e à la place de la République. En la radio, se habla de République comme de la Puerta del Sol parisina. À la radio, on parle de République comme la Puerta del Sol parisienne. Las asambleas en Republic también he visto que hay como una especie de referencia constante a un ejemplo inspirador que es el movimiento de indignados. Dans les assemblées à République, il voit effectivement de manière très forte ce retour, cette référence incessante et permanente au mouvement des indignés. E incluso también he visto cómo se han copiado los gestos que hacíamos en Sol para organizar las asambleas, los gestos con las manos, ¿no? Voilà. Y compris, nous avons vu la gestuelle qui s'était créée au mouvement du sol, avec les mains, etc., la gestuelle pour débattre. Por tanto, aquí lo que quería plantear es una discusión en torno a la transferencia de conocimiento político. Donc, son objectif, c'était surtout de nous proposer des idées de transfert des idées politiques. Si, como, si es posible una transferencia de conocimiento y de experiencia política. ¿Y cómo es posible? Si es posible un transfer des idées politiques et si c'est possible. Porque bueno, el grupo de españoles que nos hemos juntado casi por azar en Republic, parce que le groupe d'espagnols qui se sont retrouvés quasiment par hasard à Republic, estamos todo el rato comparando lo que pasa con lo que ya hemos vivido nosotros en España. Sont en train tout le temps de comparer ce qu'ils vivent aujourd'hui avec ce qu'ils ont vécu en Espagne. Y yo dudo si esto es una buena idea o no. Et lui, il doute si c'est vraiment une bonne idée ou pas. Porque todo, teniendo una especie de modelo en la cabeza, a veces uno es incapaz de ver lo que tiene enfrente de los ojos. Voilà, donc, parce qu'effectivement, quand on a un modèle déjà préconstruit qu'on a vécu avant, c'est pas évident de voir, de voir s'il y a pas aussi autre chose avec ou derrière. Entonces, bueno, yo lo que había pensado era proponer, sobre todo a los españoles que hubieran en la sala, que hubieran vivido al 15M. Et donc son propos c'était donc de proposer surtout aux Espagnols qui sont ici et qui ont vécu le 15e. Pensar esta cuestión de
cuáles son las claves del movimiento que nosotros vivimos, que creemos que son potentes, que son útiles. Donc, quelles étaient les clés du mouvement que nous avons vécu au moment du 15e, qui sont puissantes et utiles? ¿Y cómo se transmite una experiencia política? ¿Cómo se transmite un conocimiento político? ¿Y cómo se transmite una conocimiento político? Porque yo creo que hay claves muy poderosas en la experiencia que vivimos en las plazas el 15M. Porque él piensa que hay claves muy puissantes que han vivido durante su experiencia del 15M. Pero me parece un problema proponer una experiencia política como modelo. Ça lui semble un problème pour lui de proposer une expérience politique comme un modèle. Yo creo que la política siempre es invención, nunca es repetición de un modelo. Donc lui pense que la politique c'est toujours une répétition, une rénovation, jamais une rénovation, pardon. Une rénovation, une invention de nouveaux modèles. Et pas une répétition. Merci, Pablo. Entonces, ¿cómo podemos transmitir algo que es útil de una experiencia a otra para que cada una de ellas no sean islas separadas? Et donc, il semble utile de montrer que chaque expérience est unique et donc et qu'elles sont pas séparées les unes des autres. Pero sin construir una receta de la política. Voilà, et sans donner une recette toute faite de la politique. Porque no hay un manual de instrucciones de la política. Parce qu'il n'y a pas un manuel d'instruction pour faire de la politique. Y la política siempre es una creación en situación. Et la politique est toujours une création en vécu, en situation, en route, quoi. Bueno, este era el primer punto a discutir, a pensar juntos, ¿no? C'est le premier point à discuter, à penser ensemble. El segundo punto, que yo creo que no se dirige simplemente a los españoles, sino a cualquiera. Dans le deuxième point qui ne se dirige pas uniquement pour les Espagnols, mais à tout le monde. Es qué imágenes tenemos hoy del cambio social. C'est quelles images nous avons aujourd'hui du changement social. ¿Qué es para nosotros hoy el cambio social? Qu'est-ce qui est pour nous aujourd'hui le changement social? Yo creo que durante dos siglos ha habido una imagen muy fuerte del cambio social y es la imagen revolucionaria del cambio social. Donc, je pense que pendant deux siècles, nous avons vécu une image plutôt révolutionnaire du changement social. Pas plutôt révolutionnaire, non, mais comme pendant deux siècles, on a vécu une image, si tu veux, et conductrice, non, du changement social, qui est la révolution. La révolution comme fil rouge, non, comme l'image de transformation sociale. C'est ce que j'ai dit. Esa imagen, por un lado, hablaba de derrocamiento del orden existente. Donc cette image parlait de renversement de l'ordre existant. La insurrección. La insurrección. Y por otro lado, de la construcción de una sociedad y un mundo nuevo. Et de notre côté, pour la construction d'une société et d'un monde nouveau. E incluso de un hombre nuevo. Et inclus d'un homme nouveau. Esto se ha pensado muchas veces a través de la toma del poder. Ceci a été pensé souvent à partir de la prise du pouvoir. O bien a partir de la construcción de una sociedad paralela, de un mundo aparte, como en el caso de los años 60. O bien de la construcción d'une société parallèle, d'un monde à part, comme dans les années 60. La pregunta que quería plantear para pensar aquí juntos es si estas imágenes, la imagen revolucionaria del cambio social, nos sirve hoy. Donc la question qu'il voulait se poser aujourd'hui, c'est si cette référence, cette image du changement social par la révolution était pertinente aujourd'hui. Si es una imagen que nos acompaña, si es una imagen que es adecuada a nuestros deseos, a nuestras vidas y a nuestras prácticas. Si c'est quelque chose, une image qui nous accompagne et qui correspond à nos vies d'aujourd'hui, nos pratiques et notre vécu. En España, por ejemplo, en torno al movimiento 15M. En España, par exemple, autour du mouvement du 15M. Yo creo que había un cierto problema con la herencia de la imagen revolucionaria. Je pense qu'il y avait un certain problème avec l'héritage de l'expérience révolutionnaire. Y es que privilegia el momento épico de la política. El momento épico. El privilegia, digamos. C'est le 15e privilégié le moment. No, le 15e, sino la imagen revolucionaria. Ah, l'image révolutionnaire privilegia. Privilégie le moment épique.
je sais pas si on dit comme ça. Le moment insurrectionnel, par exemple. El momento visible, el momento de la gran visibilidad. El momento visible, el momento de la gran visibilidad. El momento masivo también de la toma de la calle. Le mouvement massif de la prise des rues. Y sin embargo, dudo de que las imágenes revolucionarias que tenemos. Et pourtant, je doute que les images révolutionnaires que nous avons sirvan para ver y valorizar. Servent pour voir et valoriser. Otro tipo de cambios. Un autre type de changement. Cambios subterráneos. Des changements plus souterrains, en cambios más invisibles, cambios más informales. Des changements plus invisibles, plus informels. Cambios que no son solamente épicos. Des changements qui ne sont pas uniquement épiques. J'arrive pas à trouver le mot en français. Épique, ça, héroïque. Héroïque, merci. Je te paye une bière. Me viene a la cabeza ahora una cita de Gramsci sobre cuando analiza la Revolución Francesa. Donc il lui vient à la tête en ce moment une citation de Gramsci quand il analyse la Révolution française. Que él dice cuando la Revolución Francesa se hace, cuando es la toma del Palacio de la Bastilla. Qui disait que quand la Révolution française était en cours, quand c'était la prise de la Bastille. En realidad la revolución ya se había ganado antes. En réalité la révolution avait déjà gagné avant. Había habido un movimiento de 30 años que era la enciclopedia, la ilustración, etc. Il y avait un mouvement préalable d'une trentaine d'années qui était déjà qui avait acquis un certain nombre de choses et qui était l'encyclopédie, c'est ça, la lumière de la révolution. Que había erosionado, digamos, las bases del antiguo régimen. Qui avait érodé les bases de l'ancien régime. Y había propuesto una nueva definición de la realidad. Et qui avait proposé une nouvelle définition de la réalité. Entonces Gramsci también a su modo estaba cuestionando las imágenes clásicas de revolución en tanto que insurrección masiva. Et donc Gramsci posait déjà en question cette idée de révolution massive comme perspective. Como momento visible, masivo, épico. Visible et voilà. Entonces, bueno, mi pregunta para pensar juntos sería qué imágenes tenemos hoy del cambio social. Donc ma question c'est aujourd'hui quelles images avons-nous du mouvement social? Comment se cambia la realidad? Comment on peut changer la réalité? Y el último punto que quería plantear para debatir. Et le dernier point que je voudrais mettre en avant pour débattre tiene que ver con una consideración del sistema político-económico en el que vivimos, el neoliberalismo. A voir avec le système économique que nous vivons aujourd'hui, le néolibéralisme. Hay dos autores franceses. Il y a deux auteurs français. Que son Christian Laval y Pierre Dardot. Qui sont Christian Laval et Pierre Dardot. Y bueno, ellos hablan de que el neoliberalismo, digamos, es una política que atraviesa tres planos de la vida en común. No, ellos dicen que el neoliberalismo es una política que atraviesa tres cuestiones esenciales de nuestra vida en común. El plano institucional, las políticas de austeridad. El plano institucional, las políticas de austeridad. El lazo social, la relación que tenemos unos con otros. Le lien social que nous avons les uns avec les autres et les unes avec les autres. Que en el neoliberalismo es una relación de competencia. Parce que le néolibéralisme est une relation plutôt de compétence, de concurrence. Y por último también la subjetividad, nuestra propia subjetividad. Et notre propre subjectivité. Nuestro propio comportamiento y la manera como concebimos nuestra vida. Notre propre comportement et la manière dont nous concevons notre vie. Que en el neoliberalismo. Qui dans le néolibéralisme. Se construye con la imagen del empresario. Nosotros mismos somos empresarios de nosotros mismos. Se construit avec l'image de l'entrepreneur, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes tous des entrepreneurs. Entonces, si asumimos que el neoliberalismo es una política que entra en esas tres dimensiones. Donc, si nous assumons que le néolibéralisme est une politique qui rentre dans ces trois points, dans ces trois dimensions. La pregunta que quería plantear es qué tipo de política es capaz de desafiar al neoliberalismo. Donc, la question que je voudrais poser c'est quelle politique est capable de défier le libéralisme.
porque, digamos, la toma del poder político simplemente se hace cargo de uno de los planos en los que opera el neoliberalismo. Parce que en général, la prise du pouvoir politique ne se préoccupe que d'un des aspects dont s'occupe le néolibéralisme. O las experiencias puramente autónomas, puramente horizontales, solamente también se preocuparían de un plano del neoliberalismo, el de la subjetividad o el del lazo social. Et les expériences, disons, plutôt autonomes, plutôt horizontales, se préoccupent aussi d'un seul point aussi de la subjectivité du néolibéralisme. De la subjectivité. Tout court. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué política podemos inventar que esté a la altura de un sistema que atraviesa tres planos de la vida en común, que no solamente se da en un plano? Donc la question qui nous est posée, c'est quelle politique nous pouvons mettre en place qui ne se contente pas d'un seul point, mais des trois points que j'ai définis tout à l'heure. Que sería casi, podríamos decir, una política más allá de la política, o una política también que crea formas de vida y valores nuevos, ¿no? Qui serait une nouvelle politique au-delà de la politique actuelle et qui crée de nouvelles valeurs. Y bueno, digamos, ¿qué ideas tenemos sobre esta política capaz de desafiar a un régimen así, ¿no? Compartir estas ideas. ¿Quelles idées nous pouvons mettre en place pour être capable de défier ce système-là et ne pas partager les idées de ce système-là? Y bueno, estos son los tres puntos que yo había pensado para discutir, que podemos empezar por cualquiera de ellos o por el primero o así. Voilà. Estos son los tres preguntas o problemas que os propongo para pensar. Donc c'est les grands thèmes qu'il propose pour qu'on puisse en débattre aujourd'hui, comment dire, sans hiérarchie sur les problèmes. Enfin, sur ces trois points proposés. Est-ce que vous pouvez rappeler ces trois points qui constituent la politique du néolibéralisme ? Vous avez parlé de la politique austéritaire, de l'austérité, du lien social, et après, j'ai pas bien... Répétez les trois points. Uno sería, digamos, el poder político. Donc le premier, c'est le pouvoir politique. Que en el neoliberalismo se convierten en ejecutores de políticas de austeridad. Qui dans le cas du néolibéralisme se transforme dans des exécutants des politiques d'austérité. Y bueno, aquí no os voy a enseñar nada porque lo conocéis también como yo de qué estoy hablando. Il dit, il y a pas grand chose à nous apprendre aujourd'hui de cette question d'austérité qu'on connaît tous et qu'on vit tous. El segundo punto sería la transformación neoliberal del lazo social. Le deuxième point, c'est la transformation néolibérale du lien social. Que, digamos, se convierte en una relación de competencia de unos con otros, regida por la lógica de competencia. Voilà, qui se transforme dans une espèce de loi régie par la concurrence entre nous, entre les uns et les autres. El otro queda definido como un enemigo, como un obstáculo. C'est-à-dire l'autre, dans le cas du néolibéralisme, l'autre est défini comme un ennemi, un obstacle. Y por último, el último punto, el último plano sería nuestra propia subjetividad. Et le troisième point serait notre propre subjectivité. Nuestra propia manera de entender nuestra vida en el mundo. Notre propre manière d'entendre notre vie dans ce monde. Nuestros propios valores y comportamientos. Nos propres valeurs et comportements. No solamente las ideas. Non, pas uniquement les idées. Podemos tener ideas perfectamente anticapitalistas y ser sujetos neoliberales. Nous pouvons avoir des idées parfaitement anticapitalistes et être sujettis au néolibéralisme. Des sujets, c'est pareil. Attends. Ah oui. Hola, si nos pudieras explicar un poco lo que está pasando actualmente en España y el papel de Podemos, a mí me interesaría mucho. Donc la question c'est s'il pouvait expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, à lui ça l'intéresse particulièrement, et le rôle de Podemos actuellement là-bas.
Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que chaque intervention peut être reconduite le plus possible au sujet qu'Amador vient de proposer. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point cette question a comme de la pertinence, si vous voulez. C'est-à-dire, comme, parce qu'une exposé sur qu'est-ce que Podemos, ou un compte rendu sur, ou un bilan sur quelle a été l'activité de Podemos jusqu'aujourd'hui, est quelque chose que, bon, que de quoi on peut aborder, mais dans le cadre du sujet. Je crois qu'on s'y éloignerait un peu trop, à mon avis. Oui. Bueno, creo que puedo intentar decir algo vinculándolo con los tres temas propuestos de debate. Donc, il va essayer de dire quelque chose qui a un lien avec les trois points qu'il a proposés pour le débat. Creo que Podemos se plantea una intervención en el plano institucional. Je pense que Podemos planifie son intervention dans le cadre institutionnel. Que ahora no voy a entrar a discutir si puede ser más o menos eficaz, pero se plantea una intervención en ese plano. Il ne va pas rentrer plus ou moins dans le débat, mais de fond, mais aujourd'hui c'est ce que propose Podemos. Mi cuestionamiento es que me parece que el neoliberalismo no es una política que caiga de arriba abajo, no es un grifo. Mi cuestionamiento, digamos, les questions qui se posent, es que me parece que, como he venido a decir, el neoliberalismo no es una política. Il ne pense pas que le néolibéralisme soit un robinet qui s'ouvre et qui tombe du haut vers le bas. Sino que también nosotros mismos lo reproducimos con mil gestos y decisiones en nuestra vida cotidiana. Et je pense que nous-mêmes aussi nous reproduisons souvent dans nos vies quotidiennes les gestes néolibéraux, les pratiques. Por tanto, me pregunto sobre el alcance que puede tener una política que únicamente se centra en uno de los puntos de pénétration du néolibéralisme. Donc il s'interroge sur la puissance et les possibilités qu'on a de changer en se centrant uniquement sur un des points, des trois points qu'il a dit sur le néolibéralisme. Sin negar el interés y la utilidad y la potencia que puede tener una intervención en ese nivel. Sans nier effectivement l'intérêt que peut avoir de développer et d'être plus précis sur un point particulier. Por otro lado, con respecto a la relación entre Podemos y las imágenes del cambio social, d'autre part, le lien entre Podemos et les images que nous avons du changement social, creo, pero no sé si los compañeros me van a pasar a cuchillo. Je pense, mais peut-être, mais il n'est pas sûr que les camarades qui sont ici vont pas lui mettre des coups de couteau dans le dos. Bueno, es que Podemos realmente no tiene ninguna imagen de cambio social. Es simplemente conservar lo bueno que pueden tener el estado del bienestar, etcétera, frente a la agresión del neoliberalismo. Donc je pense qu'aujourd'hui Podemos n'a pas d'image vraiment du changement social, mais l'objectif actuel c'est surtout de garder ce qu'il y avait de bon dans le système actuel, y compris dans le cadre du système néolibéral. Yo creo que est-ce qu'il y avait de positif dans l'état provisoire tel qu'il a été défini jusqu'aujourd'hui en Espagne, voilà. Pero creo que Podemos, pero no solo Podemos, sufre de nuestra carencia, de la carencia que tenemos todos, de otras imágenes de cambio social. Et il pense que Podemos souffre de la carence d'une carence que nous avons aussi nous-mêmes de d'autres réponses au changement social. Et d'autres images, d'autres images réponses dans ce cadre-là, c'est. Bonjour, en français plutôt, en espagnol, en français. Hein. En français, ouais. Moi je l'ai traduit après. Ouais, ouais. Effectivement, je pense que la question du 15M est comme modèle, mais pas comme moule, c'est-à-dire le prendre comme référence ou comme ou s'en inspirer, mais pas appliquer stricto sensu des pratiques qui ont eu lieu à Madrid et à Paris, c'est des questions qui se posent déjà à République, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut prendre
de ce qui s'est organisé dans le Kimfémé, en laissant vivre cet organisme propre qui est en train de naître à République dans cet endroit qui est singulier, avec un contexte français qui est particulier, et pas y appliquer une manière de faire qui serait peut-être plus espagnole ou plus à la madrilène maintenant. Je pense que c'est indéniable que c'est une source de motivation et d'inspiration, d'abord parce que ça a réussi, et c'est rare, et ensuite parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Alors, tu disais qu'il y a des Espagnols présents là-bas, il y en a un à cette table, hein, qui est souvent présent à République, c'est celui qui prend les tours de parole, et effectivement, il essaye d'amener aussi une organisation, une modération. Donc je pense qu'il y a une culture du débat qui est en train de naître à République, qui ne va pas du tout de soi, parce que les gens ne savent pas forcément comment ça marche, une assemblée générale, des tours de parole, une modération, des prises de parole. Les gens arrivent aussi, comme tu disais, avec des pratiques, avec des réflexes de la politique qui sont ceux de la hiérarchie, par exemple, celui qui prend la parole parce qu'il parle bien, et qui du coup accapare cette parole au détriment de celui qui ne la prend pas parce qu'il est simplement plus timide, peut-être. Et donc ça, c'est des choses que je crois on est ou collectivement en train d'essayer de mettre en place à République, et qui, je crois, trouve dans Podemos quand même, enfin dans le en el 15M, pas exactement dans Podemos, c'est pas tout à fait la même chose peut-être, des modèles, sinon des moules, je veux dire. Voilà. Modelo sí, pero no molde. Pues no aplicar tal cual modalidades organizacionales, tendencias, es decir, de la misma manera que ha habido una convergencia, me parece que es la idea fuerte del 15M, ¿no? Que la convergencia de las fuerzas, que parle français. Ou la convergence de forces qui étaient séparées jusqu'à présent en France, ça je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, imaginez par exemple tout de suite d'aller vers une cristallisation politique de ces mouvements-là, c'est peut-être un peu rapide. C'est-à-dire, je pense qu'il faut peut-être laisser vivre ces mouvements, les laisser naître comme un organisme propre, et ensuite, dans un second temps, envisager une formalisation, une structuration, bref, voilà. C'est-à-dire, je pense que cet état naissant, cette espèce d'état encore un peu embryonnaire, il est bon à prendre, et je pense qu'il faut le laisser vivre comme tel. Mais maintenant, voilà, je pense que la convergence, c'est quelque chose de neuf en France. Et Lordon l'a dit l'autre jour dans son intervention. Has entendido, Thierry, sintéticamente. Déjà, je voudrais vous rappeler une chose. Et on essayerait, ça serait bien, si le format de la discussion soit le plus ouvert possible. C'est-à-dire comme cette relation entre ces centres émisseurs et vous, comme récepteurs. Bon, c'est bien, il n'y a pas de problème à poser des questions, mais on voudrait juste que ça devienne un débat voilà, horizontal, ouvert. C'est-à-dire, si par exemple, l'intervenant qui vient de dire quelque chose vous interpelle, non ? Vous voudrez dire quelque chose ou répondre quelque chose à ça, ne l'hésitez pas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas juste les seuls sujets où vous posez les questions. Ok. Je peux intervenir, Pablo ? Je m'étais inscrit. Si, on est juste. Oui, non, c'était juste rapidement pour vous faire un point sur ce qui se passe en Espagne, là, puisque là, je me suis couché à 6 h du matin et j'ai discuté avec des dizaines de personnes sur différents sites, hein, Telegram, etc., et y compris avec des camarades de Podemos au niveau central, sur comment les gens en Espagne sont en train de percevoir notre mouvement. Alors, comme nous, en Espagne, on a été, disons, plus ou moins un référent, entre guillemets, un peu dans le sens que toi tu dis, référent, mais pas copier-coller par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, là-bas, puisque depuis deux ans, les luttes sont beaucoup, 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 ont beaucoup diminué parce qu'il y a eu des fêtes sur des fêtes et que donc il y a eu la question de, on se structure pour les élections, etc. Donc, les luttes avaient été un peu mises de côté. Là, aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui se discute dans la population espagnole, mais dans le sens large du terme, pas uniquement dans les cercles militants, c'est que maintenant, c'est nous. Et le regard est porté sur la France, et beaucoup de gens nous disent sur la France révolutionnaire, avec son histoire, avec mai 68, 36, etc. Et que ce que vous êtes en train de faire à République, et les manifs, et le mouvement que vous êtes en train de développer depuis un mois, va nous aider à nous, là-bas en Espagne, pour reprendre les luttes, pour reprendre les rues, vu que maintenant la séance plus ou moins électorale est terminée. Et que donc, et je termine, donc moi par exemple, je suis invité pendant un mois à partir du 8 avril au 8 mai pour faire des tournées dans tous les cercles du pays valencien sur la situation politique et sociale en France autour des mouvements. De mouvement contre la loi du travail. Donc je pars vendredi prochain et je reviens le 8 mai, et j'ai déjà une dizaine de dates dans le pays valencien. Et donc il y a des questions qu'on commence à recevoir de journalistes et tout. Donc
Donc c'est génial, ça, c'est un truc à moi. Donc c'est génial cette espèce de va-et-vient qu'il y a eu entre l'Espagne et ici, avec 5 ans de décalage. Et en fait, je pense qu'on est en train de faire la même chose, quoi. Oui, bonjour. Je voulais justement rebondir sur ce qui a été dit là-bas et aussi un peu sur ce que tu viens de dire. Je pense que peut-être repartir d'un texte que j'espère beaucoup de monde a lu, sinon vous devriez, qui est un texte qu'Amador a écrit il y a quelques années et qui a été publié en français il y a quelques mois, qui expliquait dans Mediapart comment l'Espagne, après les attentats d'Atocha en 2004, a évité l'état d'urgence. Et si je traduis, si je trahis pas ta pensée, c'est aussi parce qu'il y a eu des mouvements qui existaient déjà en 2004 et qui se sont continués depuis le mouvement contre la guerre déjà en 2004, ensuite le mouvement contre les hypothèques, aussi tous les copains qu'on a en commun, Raoul, Martha, etc., qui travaillaient depuis longtemps sur les occupations de quartier, sur la précarité, sur la santé, sur les migrants aussi, qui est une question très importante aussi dans le rapport à l'autre, dont tu parlais à propos du néolibéralisme. Et je pense que c'est peut-être des choses qui se font jour, et je suis d'accord avec toi, c'est un mouvement de très longue haleine, parce que moi, je pense, j'aimerais bien que vous me prouviez que j'ai tort, mais qu'il y a une vieille maladie, malédiction française, qui tient à la fois au fait qu'on est un État centralisé, qu'on a eu depuis très longtemps des partis très bureaucratiques, très verticaux, etc. Enfin, moi, je suis de la génération du siècle dernier, il y a eu des choses formidables qui ont été faites et qui se sont fait jour dans les années 70. Les femmes, les migrants, les PD, les fous, les prisonniers, enfin bon, tout ce qui s'est fait. Et tout ça n'a pas survie, mais et n'est pas toujours transmis après les années 80, les terribles années 90, etc. Des choses qui reviennent après 95, des choses qui existent toujours, comme par exemple les mouvements de chômeurs qui ont donné lieu à la coordination des intermittents qui est très active actuellement, des choses qui se passent à Notre-Dame-des-Landes, mais je pense qu'effectivement, ce que tu disais et ce que dit aussi Amador, c'est apprendre, et là, ça va prendre du temps, et c'est aussi ce que disent les copains grecs. Quoi qu'on pense de Syriza et de Podemos, Syriza et Podemos sont nés et ont, en plus, après, ont pu aller dans des mouvements plus larges et plus hétérogènes en Grèce comme en Espagne, après de très nombreuses années. Et il faut apprendre aussi à savoir faire des alliances, et ça, les Espagnols le font très bien, des alliances où on est d'accord sur quelques points stratégiques, sur l'ennemi, les ennemis, les points sur lesquels il faut lutter, mais qu'on peut avoir aussi des points de divergence et des points de... Il faut du compromis. Le compromis, ça n'est pas obligatoirement celui qui a la plus grosse qui gagne. Le conflit, pareil. Et ça, il me semble que c'est une chose qu'on sait rarement faire. Il y a encore des choses qui se passent comme ça. On pourrait donner l'exemple de ce qui se passe aussi entre les associations et les individus à Calais. Je pense qu'effectivement, ce qui est en train de se passer actuellement, j'y suis allée probablement moins que vous, mais je suis allée voir, et les échos que j'en ai par les gens qui sont dans différents mouvements, c'est assez enthousiasmant, mais avec en plus l'état actuel de la France, etc., ça va prendre du temps et ça va prendre de la détermination et ça va prendre de l'écoute. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la France qui est un modèle ou un moule pour l'Espagne ? J'aimerais bien, mais il faudra le surveiller de près. Et il faut être en tout cas très attentif à ce qui se passe, et du côté des migrants, et du côté des ZAD, et du côté des luttes contre la loi travail, contre l'état d'urgence, etc. Sans oublier en plus, ce qui est aussi fondamental, un point de vue transnational. C'est-à-dire que l'Europe, si on y croit encore, ce n'est pas l'Europe des institutions, c'est l'Europe des mouvements, comme on a essayé de la faire depuis quelques années, en particulier avec les copains espagnols, le faire actuellement avec les copains turcs. La plupart des universitaires qui sont actuellement foutus en prison sont des gens qui ont lutté aussi pour les droits des femmes, des LGBT, des Kurdes et des migrants, avec les copains grecs, enfin avec un peu partout. Voilà. Donc je pense que ce que vous avez à nous dire est absolument capital, mais c'est le fruit d'un travail long et pratique et au niveau local. Et le niveau local est peut-être moins développé en France qu'il ne l'est dans d'autres pays. J'espère que j'ai tort. ¿Has entendido? Creo que sí. Vale, muy bien. Si hay dudas, me lo... Bueno, una cosita muy breve al hilo de lo que decía Isabel. Quelque chose de très bref en fonction de ce que tu disais.
Efectivamente, el movimiento de los indignados no nace de la nada. Efectivamente, el movimiento de los indignados n'est pas né de rien. Hay movimientos previos, digamos que de alguna manera lo preparan. Il y a déjà eu des mouvements auparavant qui, d'une certaine manière, ont préparé le mouvement des indignés. El movimiento en 2003 contra la guerra de Irak. 2003, el movimiento contra la guerra en Irak. La reacción ciudadana, social, al atentado de 2004. La reacción citoyenne al atentado de 2004. Bueno, y dos o tres movimientos más muy parecidos. Y dos o tres movimientos semblables. Quería destacar simplemente como dos rasgos interesantes de estos movimientos que preparan el 15M. Je vais détacher deux points essentiels de ces mouvements qui ont préparé le 15M. Uno sería lo que hemos llamado en España los amigos la política de cualquiera. Le premier point serait ce qu'en Espagne nous avons appelé la politique de tout le monde. De quelconque. De quelconque. De quelconque. Quelconque. De n'importe qui. De n'importe qui. C'est que son des anonymes. De... Sí. Son movimientos protagonizados por gente que no tiene siquiera experiencia de politización previa. Voilà, qui sont des mouvements organisés par des gens qui n'ont pas forcément une expérience politique. Y movimientos que desbordan a todos los profesionales de la política. Son des mouvements qui ont débordé à tous les professionnels de la politique. Incluyendo también a los militantes de partidos políticos. Inclut les mouvements, les militants et les militantes de partis politiques. O como yo, los activistas de los movimientos sociales. O comme lui, un activiste des mouvements sociaux. Entonces, el interés que tiene cuando gente cualquiera se pone a hacer política, se pone a discutir de lo común, a preguntarse por la vida en común. Dans la question, c'est l'intérêt que se pose quand les gens quelconques, entre guillemets, quelconque, c'est pas péjoratif, pour pouvoir s'occuper de ses propres affaires et de faire de la politique ensemble. Y desbordan a todos los que saben hacer, a todos los que ya saben lo que hay que hacer. Ce sont des moments qui ont débordé à tous ceux qui savaient déjà faire, qui connaissaient, qui avaient une expérience. Eso es algo que ha sido muy polémico, muy transgresor en España y que los militantes, yo también, lo hemos vivido como una agresión. Voilà, ce point-là a été un point de tension, de crispation entre ceux qui venaient à la politique par eux-mêmes et les militants politiques qui étaient habitués à d'autres discours, etc. Donc il y a eu des tensions, une tension permanente, etc., et que les militants politiques, des fois, avaient du mal à comprendre. Enfin, les militants politiques plus... Zaguerri, etc. Pero que al mismo tiempo han dado nacimiento a estos movimientos que han logrado tener una difusión masiva. Mais c'est cette contradiction et cette tension qui a permis de donner des sens aux mouvements qui ont maintenant une diffusion de leurs idées de manière massive dans les masses. Y han logrado sacar la política de los pequeños guetos en los que estábamos. Et qui ont réussi à sortir la politique des petits ghettos dans lesquels on se retrouvait depuis longtemps. Y el segundo rasgo interesante de estos movimientos es lo que en España llamamos la inclusividad. Donc un des traits essentiels de cette politique, c'est ce qu'en Espagne on appelle l'inclusivité. Je sais pas, excusez-moi, des fois je fais de la traducción de l'inclusivité, c'est ça? Que tiene que ver con lo que os acabo de decir, y es la idea de pensar que la política nunca se hace entre los que ya estamos aquí. Siempre es más bien la pregunta por los que todavía no están aquí, por los que faltan, ¿no? Voilà, donc ce qui les amène à s'interroger sur et à dire que la politique ne doit plus être faite uniquement par ceux qui ont déjà l'habitude d'en faire, mais qu'on doit se poser la question de le faire au-delà, avec de manière plus ample, avec les gens qui, comme je disais tout à l'heure, les gens qui n'avaient jamais fait de politique, qui sont impliqués, c'est-à-dire amplifier, et la politique peut être faite par tout le monde. Y bueno, realmente la Puerta del Sol era sobre todo un espacio acogedor y de invitación. Donc dans ce cadre-là, Sol était un point d'invitation et de partage de ce moment-là. No una vanguardia, no un grupo que se considera superior a los demás y que va a educar a los demás. Non pas celui d'une avant-garde, d'un groupe qui pensait qu'ils étaient là pour éduquer les masses. Sino un espacio de igualdad. Mais surtout un espace d'égalité. Son dos rasgos realmente que han cambiado la política en España. Voilà, ce sont deux traits essentiels qui ont changé réellement la politique en Espagne.
Bon, salut. En fait, je vais continuer un peu les commentaires par rapport à ce que tu viens de dire, Amador, et aussi quelques interventions qu'il y a eu juste là tout à l'heure. Moi, je suis italien, j'ai vécu 10 ans à Madrid. Je fais partie aussi, j'ai vécu cette expérience extraordinaire de l'occupation, de, notamment à Madrid. Et je voudrais dire quelque chose que je pense que c'est très important parce que des fois, on mélange beaucoup ça et c'est vraiment très clair. Et Podemos n'est pas Kanzem. Et en fait, c'est, moi, je dis ça parce que tout le temps que je parle avec les Français qui sont très intéressés à ça, ils me demandent toujours Podemos, Podemos, Podemos. Et je me rappelle, en fait, des premiers jours qu'on était justement dans la place où les gens, ils nous demandaient à chaque fois qui êtes-vous, qui êtes-vous, où elle est votre drapeau, pourquoi vous êtes là, où il y a les syndicats, où sont les partis qui vous ont fait sortir dans la rue. Et je dis ça parce que c'est vraiment très important de... je pense que tout ce qu'il dit aussi, Amador, ça rejoint à ça. C'est que quand on était dans la place, on faisait de la politique, mais on ne se considérait pas un acteur unique politique. C'est pour ça que j'ai dit, même si j'aime bien Podemos, c'est vraiment important de réfléchir à ça. Et quand aussi Amador parle de l'inclusivité, je pense que c'est aussi ça. En fait, la multitude, c'est considéré en fait comme plusieurs acteurs politiques ou simplement, sans utiliser le mot politique, en même temps. Et je pense que nous aussi, quand on dit Amador, qu'on était des gens... qu'on se retrouvait pour faire des choses ensemble, même si on n'avait pas de l'expérience politique, c'était pour ça que c'était possible. Donc, je termine. Je pense que c'est, par exemple, pour ce qui se passe en la République, c'est un peu compliqué maintenant parce que j'ai eu même les commentaires de gars là qui disaient ça a réussi. Ça, c'est dangereux parce que qu'est-ce que tu considères comme que ça a réussi? Non, en Espagne, tu disais, bon, comme en Espagne, ça a réussi, donc les gens... Oui, oui, j'ai terminé. Non, non, mais j'ai terminé. Ouais, non, je vais pas rentrer. Non, ce que je veux dire, c'est que justement, et comme après, en fait, le mouvement dans la place, c'est arrivé Podemos, j'ai un peu la sensation qu'ici, les gens, ils veulent aller vite, ils ont en tête, bon, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On fait une camp, après, il faut rassembler les gens, il faut faire un réseau, et après, dans un an, on monte en parti. Et donc, ça, c'est vraiment très dangereux parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment une construction française. Et je pense que c'est spécialement dangereux en France parce que les gens en France cherchent ça. Et en fait, ça aussi, on cherchait avant. Moi, je suis aussi italien, en Italie et en Espagne. Tout le temps, on cherchait quelqu'un qui donne la solution et pas être nous, en fait, les gens qui travaillent ensemble pour faire des choses ensemble qui ne sont pas peut-être directement voués à monter un parti ou... Je dis ça parce que, par exemple, des fois, moi, je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant en Espagne? C'est que, par exemple, les indignés, on peut dire maintenant, j'amplifie beaucoup, les Espagnols le savent bien, mais on peut dire les indignés, maintenant, ils sont dans des mairies, Madrid, Barcelone, donc ils gouvernent. Et en fait, les Français, beaucoup de fois, me disent, non, non, mais ça, c'est pas intéressant, il faut aller au gouvernement. Et donc, c'est ça que, bon, j'exagère aussi un peu pour un peu vous pousser un peu au débat, quoi. Bien. Alors, je commence par le troisième point. Je crois qu'en politique, et c'est très important, la temporalité. Dans les trois points que tu as posés, dans le premier, qui est la question de l'institution, a une temporalité qui est différente au point de la subjectivité et des rapports sociaux. Et comme il y a une temporalité différente, il doit y avoir des stratégies différentes. C'est-à-dire, pour aller très vite, hein, Podemos a choisi les premiers points pour se poser dans l'espace politique en tant qu'institution. Hein. Et il y a quelque chose qui est un combat d'arrière-garde, mais qui est aussi important, qui est un combat pour l'hégémonie, la construction du sens commun d'époque, qui, comme on l'appelle à Podemos. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait avec une temporalité qui est beaucoup plus lente et qui va frayer son chemin, j'espère, non, mais
avec un chemin différent à celui de la prise des institutions politiques. Donc, d'un côté, on ne va pas arriver au gouvernement, oh, j'espère que oui, mais enfin, toutes ces questions des mairies, des places qui ont été conquises, là, que petit à petit vont générer des politiques différentes et qui ont rassemblé des gens autour de ces projets. Et une autre question, c'est la question des hégémoniques idéologiques, c'est-à-dire comment combattre justement qu'on n'est pas des entrepreneurs de nous-mêmes, qu'on n'est pas en concurrence, et comment combattre des choses énormes qui passent aujourd'hui comme naturelles, c'est-à-dire la question de l'évaluation ou des compétences, qui sont les deux régimes l'idéologie spontanée aujourd'hui, qui est l'idéologie cognitiviste, nous impose. Donc pour tout le monde, et c'est bien clair qu'on doit avoir des compétences et on doit être évalué tout le temps. Voilà, mais ça, c'est des combats qui sont vraiment à niveau européen, parce que c'est des idéologies vraiment européennes qui ont été constituées petit à petit, mais fermement. Donc, ça, c'est un combat différent. Donc, ce sont des stratégies différentes, la première chose. La deuxième, c'est la question de la tradition le mimétisme qu'on voit, hein, et qu'on a parlé, non, sur on va faire comme en Espagne parce que ça a marché. Donc, mais c'est pas du tout enfin, la même chose, c'est-à-dire les conditions de la politique en France n'ont rien à voir. Juste, on est chapeauté par la même politique ultralibérale, mais les conditions concrètes sont différentes. C'est-à-dire, en Espagne, on a pu faire très bien les identifications entre la caste, parce que c'est vraiment très réduit, voilà, et la gente, là. En France, c'est impossible, parce que les clivages n'existent pas. C'est-à-dire, il y a un clivage différent, et c'est l'extrême droite qui a pris un espace qui est les discours, la caste et nous, c'est impossible en France. Parce qu'il y a ça, il y a ce point qui est fondamental. Et puis il y a je pense qu'en France, les luttes sont plus violentes. C'est vraiment, je vois dans la jeunesse, c'est-à-dire, en Espagne, si vous voulez, c'est la jeunesse qui a été à la pointe de 15, mais qui s'est imposée. Après, disons, ça a été transversal. Mais en France, il y a un clivage tellement énorme entre la jeunesse, disons, instruite des villes, des centres-villes, et la jeunesse des banlieues. C'est énorme, ça, c'est un clivage énorme. Moi, ça fait longtemps que je suis en France, j'ai vu comment des bandes des banlieues rentrer dans les manifestations étudiantes pour casser du blanc, quoi. Ça, c'est la haine des classes qu'il y a en France qui n'est pas connue en Espagne. Et ça, c'est des clivages différents. Et la façon de construire une politique doit tenir compte de tout ça. Ça, c'est... voilà. Donc... Oui, bonsoir. Moi, je voudrais revenir. Bon, je sais que je ne vais pas faire l'unanimité là-dessus, mais je dirais par provocation que la démocratie directe est née en Grèce. Elle a été enterrée en Grèce aussi avec Syriza. Et je m'explique aussi pour Podemos. Je suis d'accord avec Amador lorsqu'il dit que ce n'est pas un mouvement qui remet en cause fondamentalement le système néolibéral, mais qui prend... Ensuite, je réponds aussi à Madame. Trouver la formule qui fasse qu'effectivement, on gomme nos différences... Je parle à gauche de la gauche pour essayer de faire émerger ou de créer des choses qui fassent consensus pour qu'on puisse effectivement trouver une troisième, quatrième ou cinquième voie, voire une sixième République, je ne suis pas contre. Mais moi, je me rangerai plutôt du côté de Koupa et Eric Hazan lorsqu'ils disent que la politique, il faut la voir aujourd'hui autrement. Il faut faire un pas de côté, il faut laisser tomber et les partis et les syndicats et essayer de voir en dehors. Amador, tu disais, toi... comment faire pour faire venir à nous des gens qui ne sont pas encore là? Et parce que si c'est pour se retrouver un petit peu entre nous depuis X temps que je suis militant, ça va faire plus de 40 ans, on voit toujours les mêmes têtes. Et je crois qu'il faut effectivement se poser la vraie question, qui pour moi est la vraie question, c'est comment faire de la politique autrement quand on se dit à gauche de la gauche, quoi. Et je finirai là-dessus, par provocation aussi, c'est que autant Podemos qu'en Grèce, à partir du moment où il y a eu, comme je dirais, point de mire des élections, quelles qu'elles soient et aussi fondées soient-elles, je crois que c'est à partir de là où il y a eu aussi un basculement par rapport et une déception au niveau du peuple, celui qui était à la base, qui était au départ dans les rues et sur les places. Voilà. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, place de la République, je ne veux pas du tout établir de parallèle entre le 15e et place de la République aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a ce souci chez les jeunes, chez ces jeunes qui sont en place de la République, de fuir un petit peu toutes les grandes orgas qui essayent plus ou moins de venir là pour peut-être essayer de récupérer un peu la chose, quoi. Bon, voilà. Ah bon, c'est bon.
Oui, je crois que, bon, vous le savez probablement déjà, mais je crois qu'il y a des grandes différences entre la France et l'Espagne. La première, c'est les régions hein, qu'on a en France, mais qui n'ont aucun impact ou très peu d'impact. En Espagne, c'est fondamental. Et sur le plan des élections, c'est d'une complexité invraisemblable, mais c'est extrêmement important parce que ça déforme complètement les votes des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils n'ont pas Marine Le Pen, ils ont le PP, mais c'est une situation très, très différente puisque les fascistes, les franquistes sont finalement ou bien proches ou dans le PP. C'est donc une situation politique extrêmement différente. Et peut-être la troisième différence, en France, c'était un peu dit par Tony, on a un nombre invraisemblable de micro-partis ou partis à gauche, à l'extrême gauche. Et je crois que les Espagnols, quelque part, ont la chance de ne pas avoir cette prolifération de partis. Alors peut-être je me trompe. Moi, je... Enfin... Oui, il y en a. Mais en France, ils sont quand même assez présents. Et il n'y a qu'à voir, il y a déjà quatre candidats de l'extrême gauche qui se présentent pour les présidentielles. Enfin, à un moment où on se pose des questions, moi, je suis sidéré. C'est quoi ça ? Ces gens qui disent... Bon, donc, je pense qu'il y a ces trois grosses différences qui font que, par rapport à ce que tu disais, est-ce que l'Espagne est un moule ? Je crois que c'est très difficile de copier. Par contre, ce qui me semble très intéressant, c'est les débats. C'est la forme des débats. C'est cette chose qu'on a du mal à faire en France, de ne pas se couper la parole, de ne pas être trop long, etc. On ne sait pas débattre. Moi, j'ai fait, comme certains d'entre vous, les universités. C'est la foire d'empoigne. Bon, je pense que ça change. Je pense que les jeunes ont des pratiques beaucoup plus intelligentes. Voilà. Et je pense que ça, le mouvement des indignés a montré un petit peu, même si ce n'est pas eux qui ont été les premiers. Mais quand même, ça, je crois que c'est le point sur lequel il faut s'appuyer. No es una respuesta, es un comentario al hilo. Ce n'est pas une réponse toute faite, c'est un commentaire à la discussion. Y es que es un hecho sorprendente en España que no haya un derechismo, un populismo de derechas, un voilà. Fascismo como Amanecer Dorado en Grecia o voilà. El Frente Nacional. Donc effectivement, c'est surprenant un peu dans les conditions actuelles qu'il n'y a pas de mouvement style le FN ici, c'est-à-dire Aube Dorée en Espagne actuellement. Mucha gente dice que es que porque digamos la extrema derecha ya está en el Partido Popular, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo. Voilà, donc beaucoup de gens expliquent que c'est parce que l'extrême droite est déjà dans le Parti Populaire, mais que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Porque... Moi non plus. Lo que estamos viendo con el Frente Nacional o con Amanecer Dorado y en toda Europa es una canalización del malestar contra el sistema por parte del fascismo. Voilà, c'est-à-dire que nous on est en train de voir autour, donc c'est à partir à travers du Front National et d'Aube Dorée, etc. C'est une canalisation du mal-être social vers des mouvements d'extrême droite de fascistes. Y en el Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido del status quo, es un partido, no es un partido que busque sintonizar con el malestar antisistema, ¿no? Le Parti Populaire est un parti du pouvoir et ce n'est pas un parti qui cherche à rentrer en résonance avec le mal-être social, avec les gens qui souffrent. Para mí uno de los factores fundamentales para explicar este pequeño milagro español. Donc pour lui un des facteurs essentiels pour expliquer ce petit milagre espagnol. Es de nuevo el movimiento de los indignados y el 15M. C'est le mouvement des indignés du 15e qui l'a posé. Que digamos es capaz de elaborar el malestar de una manera constructiva, de una manera afirmativa y de emancipación. Voilà, c'est un mouvement qui a été capable d'élaborer, de mettre en place des débats et un programme plutôt progressiste et émancipateur. Ahora mismo en España, yo creo que hay muy poca gente que piense que el enemigo, el causante de la crisis o la manera de escapar, de salir de la crisis es acabando con el inmigrante. Voilà, par exemple, aujourd'hui en Espagne, un fait qui est indéniable et qu'on voit tous, c'est que la plupart des gens ne pensent pas qu'aujourd'hui la sortie à l'issue à la crise et à nos problèmes, ce soit de taper sur les migrants. Y es porque, digamos, el 15M construye una especie de
de relato, digamos, en el cual los responsables son los políticos y los banqueros, pero no el trabajador que tienes a tu lado, ¿no? Et c'est parce que le mouvement de masse autour du 15e a été capable de construire un discours et de démontrer à la population que la réponse au problème que nous vivons, c'est le système, que ce ne sont pas les immigrés et les autres et les plus faibles. Bueno, no es exactamente un discurso ni nada que se enseñe, es más bien una percepción. Lo que hemos logrado es compartir una percepción de la situación, ¿no? Voilà, donc c'est pas un discours forcément que nous avons répété un peu à nonner et que les gens ont compris comme un discours, c'est plutôt une perception et un vécu que nous avons tous ensemble. Lo que quiero decir es que el mejor antídoto contra los populismos de derechas son movimientos abiertos, inclusivos, massifs, démocratiques comme le 15e. Donc la meilleure, ce que je pense, c'est que la meilleure antidote pour les mouvements, disons, de repli xénophobe, etc., c'est le contraire. C'est-à-dire, ce sont des mouvements larges, massifs, ouverts, démocratiques et progressistes. Et mouvements capaces de agarrar el malestar social. Voilà, des mouvements capables de vraiment prendre le mal-être social. Y darle una elaboración en claves de emancipación y no de guerra entre pobres. ¿No? Et de donner à ce discours donner à ce mal-être de le transformer en quelque chose de positif et non pas de contre les autres. Juste très très vite pour répondre à Tony, non, c'est ça? Probablement j'ai été confuse et je me suis fait mal comprendre. Je n'étais pas en train de réclamer un consensus ou une 6e République des gros ou micro partis qui existent à gauche. C'est au contraire plutôt, comme vient de le dire Amador, une espèce de mouvement inclusif de tout un tas de réalités sans qu'il y ait des leaders qui viennent dire. C'est ce qui a été justement la grande force du 15e, mais quand les gens se sont rassemblés, il n'y avait pas quelqu'un qui disait, comme ça a pu être le cas au rassemblement en France, bon, très bien, vous racontez vos histoires, mais maintenant, camarades, on s'arrête, on discute de la ligne et on reviendra plus tard. Ça, c'est catastrophique. Donc voilà, et quand je disais le consensus, le compromis, c'est que ça peut faire partie aussi, quand on est d'accord sur un certain nombre de principes ou de lutte par rapport à un thème particulier par rapport à l'ennemi, on peut aussi mettre de côté. C'est ça que j'appelle le compromis ou consensus, tu vois. C'est le... Et pour revenir sur ce que disait Amador aussi sur les places comme endroit inclusif, moi j'avais été très frappée qu'il y avait un texte écrit en 2011 par une amie madrilène, Martha Malo de Molina, qui s'appelait « Seul ou quand l'impossible ne peut qu'advenir », enfin c'était la traduction française, et un texte 2 ans plus tard d'une amie grecque, d'une amie turque après Gezi, où toutes les deux parlent des lieux et des places comme des acteurs du mouvement. C'est-à-dire que le fait d'être là ensemble, le fait de mener des choses, crée aussi une autre dynamique qui est cette dynamique inclusive dont il parlait. Oui, bonjour. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre que vous arriviez à être d'accord parce que, par exemple, ce monsieur parle donc de mouvements ouverts et inclusifs, c'est-à-dire pour moi accueillants, oui, qui accueillent tout le monde. Et vous parlez de mouvements qui sont de même nature mais qui se définissent en nommant des ennemis. Et moi, j'arrive pas. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais bien par rapport à la question première qui était comment est-ce qu'on pourrait avoir des imaginaires d'autres modèles, d'arriver à trouver un modèle qui se définisse pas par rapport à ce qui est mauvais, mais par rapport à ce que nous, on a envie d'avoir. Voilà. Una cosa muy breve es que... Quelque chose de très bref. Es que el movimiento en España, digamos, fue considerado por los militantes de larga tradición o los militantes anticapitalistas como algo muy light. C'est que, le mouvement du 15e en Espagne avait été considéré par beaucoup de militants anticapitalistes et radicaux comme quelque chose de très light. Porque no había un discurso fuerte anticapitalista, no había referencias fuertes a la abolición del Estado, de la mercancía.
No existía nada de esto. Parce qu'il n'y avait pas pendant le 15e de mouvement très fort sur la circulation des marchandises, sur le capitalisme, sur le système en tant que tel. La radicalidad estaba en los comportamientos. La radicalité était plutôt on la retrouvait plutôt au niveau de comment on se comporte, comment on est. Cómo se piensa con el otro, cómo se está con el otro, cómo se construye durante 6 semanas un momento de vida compartida con el otro, ¿no? Donc la question pour les gens là-bas, c'était surtout comment construire pendant 6 semaines hein, de vécu ensemble, un vécu ensemble, un vécu commun avec les différences que nous avons chacun les uns et les autres. Entonces yo creo que a veces nos equivocamos al mirar los movimientos desde su ideología. Donc je pense que parfois on se trompe en regardant uniquement les mouvements qu'à travers de leur idéologie. El movimiento más radical que ha habido en España en los últimos 30 años, que es el 15M, en el sentido de transformador. Dans le mouvement le plus radical, c'est dans le sens d'aller à la racine du problème, c'est comme mouvement transformateur, c'est le 15M. No tenía ningún paraguas ideológico anticapitalista o explícitamente revolucionario. N'avait pas de parapluie ou d'idéologie marquée explicitement anticapitaliste ou révolutionnaire. Entonces hay que ver muchas veces la potencia de lo que no es retóricamente fuerte, pero en los comportamientos crea otro mundo, ¿no? Donc parfois ce qu'il faut regarder c'est la puissance n'est pas forcément dans le verbe, dans le discours, mais c'est donc comme il a déjà dit répété plusieurs fois, c'est dans comment à un moment donné entre nous on arrive à construire quelque chose avec nos différences à partir des expériences différentes de chacun. Oui, je crois que dans ce sens, ici, on a mentionné, par exemple, Azan, Kupa, voilà, c'est l'ancienne revue Tikkun et les gens de Tarnak. Et je crois que ces groupes, si vous voulez, peuvent aussi exemplifier ce qui a supposé le 15e en Espagne et quelles sont les nouvelles grammaires politiques inaugurées à partir du 15e. Qui ont été, si vous voulez, pour être un peu schématique, qui ont dépassé ces deux espaces politiques de la militance en France. C'est-à-dire, si vous voulez, d'un côté la militance politique plus liée aux canaux institutionnels, et d'un autre côté l'autonomie. Non, je crois que c'est intéressant comment voilà, les gens de Tarnak, dans ces moments, au moment de 15e, avaient eu un geste plutôt hautain ou un certain mépris, si vous voulez, par rapport au campement à Madrid. Comme si on avait, Amador vient de dire tout à l'heure, un caractère trop light ou trop pittoresque sans une capacité réelle de transformation, comme si on était juste enfermé dans notre subjectivité et on créait que pour nommer le changement politique, ça allait venir. Non, et je crois que ça, c'est une idée... totalement trompé. Effectivement, je crois une des idées fortes qu'on a répété et qu'on répète comme mantra en Espagne à partir du 15e, c'est précisément l'idée de débordement. Et l'idée de débordement fait référence à la rupture de ces deux espaces qui jusqu'à ce moment-là étaient enfermés entre eux, non? C'est-à-dire comme un moment de rupture de nos respectives identités politiques et convergence dans quelque chose de nouveau. Et à mon avis, la critique qu'on pourrait faire après avoir vécu les 15e en Espagne, c'est que, par exemple, depuis Tarnak, j'ai toujours vu une conception de la politique qui était excessivement basée dans les rapports d'amitié, qui soulignait beaucoup comment l'amitié était le lien crucial de la constitution d'un sujet politique, d'un sujet politique émancipateur. Et je crois que ça suppose un repliement vers un territoire d'alliance forte qui peut tuer aussi au gâchis la capacité de transformation sociale. C'est-à-dire, on accepte de nous écarter de tout territoire politique, de tout espace majoritaire de dispute, vers l'opacité, vers l'obscurité, vers la nuit, employez les métaphores que vous voulez, et on renonce à la volonté au désir de rassembler une large majorité populaire dans les places. C'est intéressant parce que quand depuis Tikkun on parlait d'opacité, à la place des sols on voyait surtout des luminosité ou des transparences, si vous voulez, c'était des choses qui se passaient à la lumière du jour et que tout le monde voyait. Il n'y avait pas d'espace ouvert. Quand je vois Tarnak peut être une expérience intéressante, très intéressante, mais en même temps c'est des gens qui sont partis loin
à un petit village et qui croient que là, ils sont en train de constituer une politique émancipatrice qui va aller vers les grandes villes communes. Et c'est-à-dire, par quels moyens? Comment construire une émancipation de toutes et de tous à travers ces repliements, non, à travers d'une fuite. Et voilà, ça c'est un débat qu'on peut poser et qui peut faire... voilà, on pourrait établir des correspondances entre ce qu'on a pris en Espagne par rapport au 15e et ce qui, à mon avis, reste encore comme une influence de la théorie politique très importante et que je crois qu'il faudrait dépasser. Voilà. Ouais, mais t'apunto. Oui. T'apunto. Si. Maintenant, c'est vous. Allez-y, c'est vous. Je note que les indignés en France n'ont pas duré longtemps, mais ils ont laissé quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une ouverture très démocratique dans les débats où chacun s'exprimait en son nom personnel sans se référer à un parti. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui nous a transformés dans notre relation à la politique. J'ai fait l'expérience dans un groupe anti-austérité, un groupe local dans un quartier du 13e, où l'ensemble de la gauche milite ensemble pour soutenir la Grèce. Au départ, il est né pour la Grèce. Et ce groupe appartient à l'ensemble de la gauche, a été constitué, en tout cas au départ, par des gens qui ne représentaient pas toute la gauche, mais actuellement, toute la gauche est représentée dans ce groupe local, comité anti-austérité. Au départ pour la Grèce et maintenant anti-austérité. Les personnes qui s'expriment dans ce groupe ne s'expriment pas, on sait très bien qu'ils appartiennent, à quel parti ils appartiennent, mais ils sont arrivés à une dynamique qui ne porte plus sur des clivages traditionnels. Ils se sont transformés dans cette proximité de militer ensemble et surtout, ils militent pas seulement ensemble pour faire de la théorie, mais ils sont très impliqués dans la population locale, c'est-à-dire qu'ils vont régulièrement vers la population, ils sortent un journal. Ils font circuler les informations. Moi, je ne suis pas très proche du 13e, donc je n'y vais pas régulièrement, mais je reçois par Internet toutes leurs informations. Ils se servent de l'ensemble des éléments qu'ils ont pour faire un journal. Ils envoient régulièrement de l'argent en Grèce, en solidarité, parce qu'ils vendent ce journal ou parce que les organisations cotisent en solidarité. Et voilà, je voulais parler de cette expérience qui me semble positive. Oui, effectivement, moi je m'interroge quand même, enfin je ne sais pas, c'est une idée que je lance, je propose, je ne sais pas comment on pourrait se passer quand même de la désignation d'un ennemi, c'est-à-dire, je ne vois pas comment on pourrait sortir d'un rapport de conflictualité, enfin ça me paraît un peu angéliste, c'est-à-dire, tu disais tout à l'heure à Manol que l'une des forces dans la construction de la perception de la crise à Madrid, ça a été de désigner des acteurs, les mécanismes, les raisons de la crise, et donc de ne pas désigner les migrants, par exemple, les banquiers. Bon voilà, là je crois qu'en désignant la cause, on glisse vers une désignation d'une forme d'inimitié. Et donc, il y a, je crois, un retour à la conflictualité, pas entre les acteurs de ce mouvement social entre eux, c'est pas ça l'idée, c'est au contraire de désigner du moins les causes, sinon les ennemis. Ennemi est peut-être un mot qui fait un peu peur, mais ennemi dans un degré fait, mais je crois qu'il y a, moi, la désignation d'une inimitié sociale ici, qui est d'ailleurs déjà visible à République. Hein. Il y a un écriteau, il y a écrit « Mettre la droite dehors, qu'elle soit nationale, socialiste, enfin bref. » Donc si, je crois que c'est important, et je crois d'ailleurs peut-être même, mais c'est encore une fois une idée que je lance comme ça un peu à la cantonade, est-ce que ça, c'est pas un moyen, au fond, de fédérer des gens différents? La désignation d'un ennemi commun, la désignation. C'est-à-dire, et du coup, ça permet d'éviter ce que tu signalais, qui est juste, c'est-à-dire les conflits des petites différences qui fait tant de mal à la gauche, on le sait depuis
depuis Bakounine et Marx, quoi. Bref, c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, se désigner comme objectivement réuni, non pas sur la base d'accointances idéologiques ou d'amitié partisane, mais de raisons objectives, c'est-à-dire objectiver les causes de ce qui nous unit dans une lutte commune, est-ce que ça, c'est pas un moyen de fédération? C'est-à-dire, au fond, désigner un ennemi, c'est aussi désigner des raisons objectives de le combattre et de le qualifier, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose en France qu'on n'a effectivement pas fait, hein, ou très récemment, enfin, ce qui reste à faire, je crois. Mais peut-être parce qu'on n'a pas aussi peut-être pris dans la gueule, comme en Espagne, la brutalité des cas de corruption, par exemple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption en France, attention. Hein. Je dis qu'il y a, bien sûr, non, mais il n'y a pas eu la brutalité de la mise à nu de la corruption totale et systématique qu'il y a eu en Espagne. Elle reste à faire. Je veux dire, c'est quelque chose qui reste à faire. Et donc là, il y a la désignation objective d'un ennemi à faire. Et il faut mettre à poil le système de la corruption aussi en France. Voilà. Oui, tout à c'est fait. C'est l'idée que je lance. Pour terminer, je commence par ton point. Effectivement, ici en France, je pense qu'on est des apprentis par rapport au système qu'il y a eu là-bas, qui est un système mafieux, etc. Et qui sort. Et tous les jours, il y a des affaires qui sortent. Mais tous les jours. D'ailleurs, c'est une des raisons essentielles de la crise du système et du fait de l'émergence du 15e et de Podemos et compagnie et au-delà, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, deux, trois choses rapides. Sur la question de la radicalité, je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat de savoir si on est plus radicaux ou pas. La radicalité, elle se construit à partir de ce qu'on vit. C'est que donc pendant le 15e, moi j'ai vécu le 15e pas à Madrid puisque j'habitais à Madrid, je l'ai vécu à Valencia, de la région d'où je suis né. Et donc moi j'estime que à partir du moment où des milliers de personnes, des jeunes, des familles accompagnées par leurs chiens, par leurs chats, des gens qui ont vécu le franquisme, des anciens, etc. Toutes ces générations qui se sont retrouvées autour des places, etc. Le simple fait de se retrouver et de dire deux, trois choses qu'on dit le 15e, c'est non nos représentants, c'est-à-dire donc de désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est les politiciens professionnels qui ne nous représentent pas. Et en sachant que ces mouvements-là, c'est les gens qui venaient, avaient déjà eu cette expérience de lutte contre les expulsions de la PAH, le PAHE, les luttes contre le plan Bologne de privatisation des universités, les luttes des jeunes, les mileuristas pour un salaire digne, les luttes des jeunes qui se considéraient comme comment dire, exilés en France, donc qui étaient obligés de partir, donc des jeunes qui ont des études, etc. Donc le faire ça en Espagne à ce moment-là de l'histoire de notre pays, c'était radical, c'était posé, c'était mettre le système en contradiction. Donc la radicalité, elle se mesure selon les moments, etc. Donc moi j'estime que le 15e a été un moment extrêmement radical puisqu'elle a posé les vraies questions. Ça s'est pas transformé en tant que tel, en tant que parti politique, mais c'est pas l'objectif du 15e. L'objectif du 15e, c'est d'éveiller les consciences et de dire à chacun, à chacune, allez-y, maintenant organisez-vous partout. Ensuite, un deuxième point. Je crois qu'il faut pas, dans le moment... Il y a deux différences entre le moment qui est né en Espagne, donc qui est né un peu de ce que je viens d'expliquer, et ici... Ici, le moment s'est cristallisé autour de la loi sur le travail, un truc très précis. Et c'est ça qui a fédéré toutes les énergies et tout ce qui est en train de se passer, même si je pense que sur le fond, derrière, il y a un ras-le-bol général de ce qu'on vit depuis des années et qui est en train de mûrir. Et je pense qu'il faut laisser le mouvement à République dans les places mûrir. Il faut respecter les rythmes de maturation. Et ensuite, il ne faut pas tomber dans un truc, une erreur. Il faut arrêter d'opposer les syndicats, les partis, les associations, la gauche radicale, etc., etc. Je pense que là, dans ce moment-là qu'on est en train de vivre de l'histoire, il faut mettre tous les œufs dans le même panier et taper tous sur le même point, c'est-à-dire la loi travail, il faut qu'elle soit abolie, etc., de la manière que... Ouais, voilà. Et je crois que c'est là-dessus... les débats sont conflictuels. Et c'est ça qui permettra, dans son fourmillement d'idées, qui permettra les récupérations possibles qu'il peut y avoir, etc. Effectivement, quand Podemos est né, par exemple, quand Podemos est né ici en France, avant que Podemos fasse le gros score, les 8% aux élections européennes, d'ici de France, moi je connais un seul parti, mais je ne dis pas lequel, parce que je ne suis pas là pour faire de la pub, il y avait un seul parti qui... la candidature de Podemos aux élections européennes.
Il y avait un seul. Toute la gauche, la plupart de la gauche de la gauche, il n'y en avait pas. Je me souviens même de politiciens qu'on connaît, etc., qui ont été en Espagne soutenir d'autres mouvements en expliquant que Podemos était un mouvement d'illuminés, de gauchistes, etc. Voilà. Ça a changé quand il y a eu les européennes, quand il y a eu Vista Alegre, etc. Et donc maintenant, tant mieux. Maintenant, il y a plein de gens qui se rapprochent et tout. Moi, dans le cadre, donc, j'ai oublié de me présenter, c'est Miguel Seguí. Je suis avec Pablo, un des initiateurs du cercle de Podemos Paris, qui est né le 11 mars 2014, c'est-à-dire avant les élections européennes. Donc, c'était juste un aparté. Donc, dans le, et je termine là-dessus. Dans le, on a été invité depuis un an et demi, le cercle de Podemos, à faire des dizaines et des dizaines de débats dans toute la France. On a été en Bretagne, dans le Midi, etc. Et on a eu un accueil extrêmement très fort, très chaleureux. Et les questions qu'on avait, c'était les mêmes. Et les gens nous disaient, mais donnez-nous une recette. Comment vous... Et nous, on répondait, il n'y a pas de recette. On ne fait pas de copier-coller. Nous, on vient pour débattre d'une expérience, pour que les gens connaissent, s'approprient cette expérience. Enfin, connaissent, on en faisait de l'histoire quelque part. Après, chacun, à partir de ça... Chacun fait comme il veut. Et ce qui se passera, je termine là-dessus, et ce qui se passera en France, parce que moi j'étais persuadé que ça allait péter. J'étais persuadé que le 15e et Podemos et Syriza allaient avoir tôt ou tard dans les années qui venaient, dans les deux ans qui venaient, un débouché. Et je pensais aussi que le gouvernement actuel allait faire la connerie que certains ont faite. Et là, il l'a faite et que c'est ça qui a permis de cristalliser. Donc, continuons dans cette dynamique-là. Ouvrons-nous, nous ne nous opposons pas les uns à les autres, mettons les deux dans le même panier et respectons les assemblées, ce qui se passe et les décisions majoritaires des assemblées, des décisions démocratiques. Et il faut désigner l'ennemi, effectivement. Je crois que là, il faut être clair. C'est le néolibéralisme et le capitalisme. Moi, je suis militant anticapitaliste, donc je ne peux pas me cacher là-dessus, me taire là-dessus. Je pense que c'est le problème de fond, c'est celui-là, c'est le système. Bonjour, je voulais revenir à ta première question, que je pense qui est d'actualité aujourd'hui, et c'est la transférence des connaissances politiques, comment faire pour transférer la connaissance politique. Et je pense que dans toute transférence des connaissances, il y a aussi une transférence des limites. Et il y a eu de la transférence des connaissances dans les 15e, ce qu'on disait entre les militants, les activistes et les nouveaux arrivés. Et de l'autre côté, mais comme Pablo disait tout à l'heure, bientôt tout le monde s'est senti débordé. Et je pense aussi que s'ils se sont sentis débordés un peu, c'était parce qu'ils avaient un passé qui était un passé d'échec. Et les activistes, ils venaient de l'échec des mouvements précédents qui étaient un peu disparus. Et par contre... aujourd'hui, dans cette transférence, je pense que tu t'es référé à la transférence qu'il peut y avoir entre l'expérience d'Espagne et la transférence de la France. Il y a une différence, c'est que ici, j'entends toujours dire que le mouvement 15e, c'était une réussite. Et je pense que le fait que ça soit une réussite, ça pourrait être un problème pour faire cette transférence, pour dire nous on a la vérité, et donc il faut essayer d'imiter ça sera plus difficile de se déborder et ici, et donc jusqu'à quel point on peut transférer, je pense que ça c'est un point important. Et une autre, juste pour lancer les débats, parce que je pense qu'ici en France c'est aussi une image qui est importante, c'est l'image de l'intellectuel qui transmet la connaissance, quelle pourrait être et la position où doit être l'intellectuel dans cette transmission des connaissances politiques. Voilà, c'était plutôt une question qu'une réponse. Una cosita que se me ha olvidado antes decir l'intervention antérieure. Donc quelque chose un petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans mon intervention. Que yo creo que el desprenderse de las etiquetas por parte del movimiento 15M. C'est que je pense que le fait de se détacher des étiquettes pendant le mouvement du 15e. Era precisamente un gesto de acogida. ¿No? C'était un geste d'accueil. Et intentar buscar lo común. En vez de poner en primer plano lo que nos separa, ¿no? Donc chercher d'abord mettre en ce que nous avions en commun plutôt que ce qui nous séparait.
Entonces, poner en segundo plano las banderas, las ideologías, las simbologías identitarias. Dans les drapeaux, de mettre en deuxième plan les drapeaux, les symbologies, les identitaires, etc. Y poner en primer plano lo que puede hacer, aportar a una construcción común. Et donc mettre en premier plan ce qui nous permet d'apporter une construction commune. Entonces, digamos que tiene que ver con la cuestión de la acogida, ¿no? Donc ça a à voir avec la question de l'accueil, quoi, enfin de la chaleur humaine, on dirait, pour voilà, de l'humanité. Yo creo también que no hay política sin conflicto. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de politique sans conflit. La diferencia sería ver si es el enemigo el que, digamos, define la realidad, define el campo de batalla. La question c'est de savoir qui c'est qui définit le champ de lutte. Est-ce que c'est l'ennemi? Si el enemigo es la designación de enemigo es el punto central de la política. Si la politique qu'on fait se résume uniquement à attaquer l'ennemi principal. O bien, digamos, es el conflicto es necesario para defender una construcción que ya está en marcha. O bien es que el conflicto es quelque chose d'indispensable y de necesario pour combattre quelque chose qui est déjà en marche. Yo estoy más bien con esta segunda opción. Je suis plutôt en accord avec la deuxième option. Creo que el conflicto es necesario, pero es importante que esté subordinado a una construcción de otra realidad. Donc il pense que le conflit enfin je pense que le conflit est nécessaire mais il doit être subordonné à la construction d'une autre réalité. Y por otro lado también quería contar una anécdota muy muy insólita del movimiento 15M. Et donc je voudrais raconter quelque chose d'un peu insolite du 15e. En los momentos en los que se protegía una casa de un desahucio. Donc dans un moment où par exemple on protégeait une maison qui enfin une famille qui allait être expulsée. Había una interpelación positiva hacia la policía. Il y avait par exemple une démarche positive, une interpellation positive vis-à-vis de la police. En el sentido de tratarlos como seres humanos. Dans le sens de les traiter comme des gens comme les autres, comme des êtres humains. Digamos dirigirse al ser humano que hay debajo del uniforme. Voilà. Donc CRS derrière ton uniforme, tu es un être humain. Y esta cuestión fue súper eficaz. Cette question là à ce moment-là a été efficace. Este modo de hacer fue muy eficaz. Cette manière de faire a été efficace. En el sentido de que abrió en la policía grietas y cuestionamientos muy profundos. Dans le sens que par exemple dans les policiers de base ça a amené des contradictions et y compris des entre eux des débats très profonds. Y desobediencia incluso dentro de la policía. Et y compris à l'intérieur de certains policiers de base une désobéissance par rapport à certains ordres. Porque aunque digamos en espacios de extrema izquierda nos cuesta imaginarlo, debajo del uniforme hay un ser humano que no quiere tampoco expulsar a la gente de su casa. Voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'à l'extrême gauche, on a l'habitude de voir ça, et que donc il insiste derrière CRS, derrière ton casque, tu restes un travailleur. Es incluso tratar como igual a ese policía, sin negar un conflicto. Voilà. Donc, en fait, c'était comment traiter, dans l'immédiat, quand tu avais un policier en face, comment le traiter sans nier qu'en même temps, il est là pour réprimer et que c'est un représentant de l'institution. La cuestión no era ir a abrazarte con el policía, por supuesto. Voilà, il s'agissait pas d'aller faire des bisous au policier. Pero, por ejemplo, hacer la pregunta, bueno... No te da vergüenza expulsar a esta gente de su casa. Voilà, mais c'est à eux en disant, tu n'as pas honte d'expulser ces personnes de leur domicile. Digamos, hablar a la vergüenza es hablar al ser humano. Voilà, parler au cœur, c'est parler à l'être humain, quoi. No es insultarle, bueno, es un perro, ¿no? Voilà, c'est pas, on s'est pas adressé à eux en disant, tu es un chien, quoi. Bueno, y la última cosa que te quería decir algo sobre la cuestión de la transferencia de conocimiento. Et donc sur la, et je voudrais dire quelque chose sur le transfert, le partage des connaissances.
la transferencia de experiencia entre la transferencia de conocimiento entre experiencias políticas. Le transfert et le partage de connaissances de l'expérience politique. Et no puede ser solamente la transferencia de nuevo de un modelo de una receta de cómo hay que hacer las cosas. Ne peut plus être aujourd'hui comme la transférence d'un modèle d'une recette de comment venant d'en haut de comment ceux d'en bas doivent faire de la politique. Y creo que es fundamental que la transferencia de conocimiento incluya una transferencia de los problemas. Et donc quand on transmet une connaissance, on transmet aussi des problèmes. Son los problemas lo que nos hacen pensar. Et c'est à partir de ces problèmes là que nous pensons. Son los problemas los que empujan el pensamiento. Ce sont les problèmes, les contradictions qui poussent el pensamiento. Qui pousse la pensée, le critique. Sí, son las preguntas las que nos obligan a inventar, ¿no? C'est les questions que posent les problèmes qui nous obligent à inventer. Lo que va bien, va bien. Ce qui va bien, ben, va bien. Pero lo que no va bien nos hace pensar. Et dans ce qui va pas, ben, ça nous fait penser. En ese sentido, yo, por ejemplo, para practicar la transferencia de conocimiento. Dans ce sens-là, moi, par exemple, pour pratiquer la transférence de connaissances. Diría que mi balance de la plaza, uno de los elementos de balance de la plaza. Donc je dirais que un des bilans que je fais de ce qui s'est passé sur les places. Es que es un error instalar en el centro de la política una asamblea general. C'est que c'est une erreur d'installer dans le centre de la politique une assemblée générale. Porque una asamblea general, por mucho que se reúna constantemente. Parce qu'une AG, même si elle se réunit de manière constante, es un espacio único, es un espacio central. C'est un espace unique et central. Es un espacio que homogeneiza la política. C'est un espace qui homogénise la politique. Y en la plaza del 15M lo vimos muy claro esto. Et donc pendant le 15e, sur les places pendant le 15e, nous avons vu ça de manière très claire. La asamblea tenía un papel muy positivo como momento de intercambio de palabra, de circulación de palabra. Les AG avaient quelque chose d'extrêmement positif comme moment et comme lieu d'échange de la parole. Pero no servía para tomar decisiones. Mais ne servait pas vraiment pour prendre des décisions. Y para tomar y la toma de decisiones real. Et donc la prise de décision réelle. Muchas veces se hacía, digamos, en lo que había debajo o detrás de la asamblea, que era la dimensión del campamento. Beaucoup de, donc beaucoup de fois se faisait non pas de manière visible dans le discours, mais surtout dans ce qui se passait dans le fond, dans le très fond, dans la profondeur, dans le vécu quotidien des gens. Yo creo que hay que aprender a multiplicar los espacios de deliberación y de decisión. Donc il faut apprendre à multiplier les espaces de délibération et de décision. Pensar más en términos de una red. Penser beaucoup plus en termes de réseau. Y no colocar en el centro de la política un espacio central, ¿no? Et ne pas cristalliser Unico. Et ne pas cristalliser comme uniquement dans le débat politique un lieu central. Aunque sea un espacio democrático. Et même si c'est un espace démocratique. Juste un petit parenthèse de modération, le prochain tour de parole correspondait à la dame au foulard bleu, mais il y a quelqu'un qui l'a passé à quelqu'un d'autre. Ok. Oui, non, mais toutes vous êtes notées. C'est juste que si cette dame qui avait le tourne de parole, ça sera bien si elle le prend. Je crois qu'après, c'est vous. Et après. Attendez. Non, après, c'est vous, effectivement. Et après, c'est vous. Mais. Oui, c'était pour continuer sur cette idée de conflit ou pas conflit. Je ne me sens pas du tout comme quelqu'un qui refuse le conflit, ni comme quelqu'un qui soit angéliste. Mais je pense qu'il y a trop souvent une possibilité de dérapage entre dire je suis contre le néolibéralisme et après avoir un néolibéraliste en face de soi et avoir envie de lui couper le cou. Il y a des concepts et des choses contre lesquels, qui nous réunissent. Évidemment, on est contre ça. Mais est-ce qu'on peut être contre tous les gens qui choisissent cette solution parce qu'ils sont mal informés? Et ça, je crois que ce n'est pas possible. Et en même temps, pour pouvoir faire une information différente, il faut donc avoir autre chose à leur proposer que de dire « je suis contre ce que vous croyez ».
Il faut avoir quelque chose à proposer qui soit un modèle différent, qui soit une envie de vivre différente. Personnellement, je suis tout à fait d'accord sur, j'ai signé les pétitions, je vais aller contre la loi El-Khomri, mais je pense aussi, par exemple, que ce n'est qu'une partie du problème, parce que je crois qu'effectivement, on s'est beaucoup battu pendant je ne sais pas combien d'années pour que tout le monde n'ait pas besoin de travailler 35 heures par semaine et que le vrai problème, c'est qu'il faut avoir une vraie réduction du temps de travail et que tout le monde puisse vivre avec autre chose que le travail. Et que c'est cette vision-là, moi, par exemple, que j'ai envie de promouvoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas tous les jours qu'on est malheureux. Voilà, par exemple. Et voilà, je voulais juste... revenir sur ce que j'avais expliqué. Merci. Oui, moi, je voulais juste faire une intervention qui est liée au fait à tous les arguments qu'on donne sur les idées à prendre, les idées à recevoir, les transferts de compétences, de limites et compagnie. Et ça fait à peu près une heure que je suis là. Je n'ai pas encore entendu une fois le mot « européen ». Je pense que peut-être le système, on parlait de système tout à l'heure, qui est peut-être à s'approprier... pour tous ces mouvements, que ce soit Podemos, que ce soit ici, que ce soit toute autre chose en Belgique, parce que je suis belge, c'est peut-être d'inventer un système supranational. J'entends bien qu'il y a des cellules comme ça, régionales, même villageoises, même nationales, où les gens se font écho de ce qui se fait dans différents pays. Je n'entends pas beaucoup d'ambition européenne, qu'elle soit à un moment donné, faisons confiance aux politiques pour récupérer ce qui serait à un moment donné puissant. Je n'entends pas d'ambition européenne à ces mouvements, qu'elles naissent d'ailleurs de manière très atomique dans des associations villageoises. Est-ce que Podemos, qui dit avec force vouloir être inclusif, ne pas vouloir être trop clivant, n'est pas finalement l'argument à développer au niveau européen pour qu'on invente un mouvement européen de contestation, quand on sait que finalement, alors qu'en France, on veut inventer une 6e République, et là où, pardonnez-moi, moi qui vis en France depuis 15 ans, il y a une grande ignorance de la chose européenne, on le voit bien, on l'entend bien, on le sait, est-ce que finalement, on n'a pas intérêt à inventer un système plus européen, plus que transnational? C'est juste une question que je me pose. On va répondre parce que c'est Podemos qui a été interpellé, donc on va répondre un peu. Juste un instant, puisque ça c'est une discussion ouverte, moi, tel que militant de Podemos, j'ai préféré ne pas répondre. C'est-à-dire, on peut l'ouvrir comme débat. J'ai pas trop d'intérêt à. Bon, je voudrais m'émanciper un peu si vous voulez, et, même si ça a des limites, bien entendu, de mon. Voilà, de mon identité politique telle que militant de Podemos, maintenant, je préférerais que disons que nous ne soyons pas la référence de Podemos ici, ou ceux qui vous répondront les questions concernant Podemos. C'est des débats d'ailleurs assez ouverts. Je crois qu'on peut effectivement n'importe quelle personne pour répondre. J'aimerais bien répondre. Ok, alors tu peux répondre, mais j'ai tes notes, d'accord? J'ai bien raison, voilà. C'est bon. Déjà, c'est la dame qui allait intervenir. Oui, non, mais moi, c'est une réflexion générale entre ce qui se passe localement, ce qui se passe globalement, ce qui se passe en France, en Espagne, en Grèce et dans le monde entier. On voit qu'il y a une nécessité de faire de la politique autrement, de réinventer, parce que le mot démocratie, on le met tellement à toutes les sauces que ça devient immangeable. Mais effectivement une démocratie directe, une démocratie horizontale, sans tomber dans l'angélisme et sans tomber dans des clivages qu'on a pu connaître avant. Il faut bien savoir que quand même en face de nous, il y a une mémoire quand même des luttes et des mouvements sociaux qu'il faut intégrer, parce qu'en face de nous, on a
on a non seulement un système, mais des gens qui soutiennent ce système, qui sont prêts à tout, et on le voit, pour le maintenir. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est très intéressant tout ce qui est en démocratie directe, ce qui fait que les gens font de la politique autrement, parce qu'en France, il y a un grand mouvement, mais profond, d'écœurement par rapport à tout le système politique, que ce soit extrême droite, droite ou gauche, je suis désolée. Moi, si un mouvement, il devait de nouveau réactiver une certaine gauche telle qu'on la connaît depuis, je dirais, les 1920, excusez-moi, mais la mémoire ouvrière, elle est importante de ces années-là aussi, où c'est un mouvement ouvrier qui a été cassé par la social-démocratie. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais n'oublions jamais l'histoire, l'histoire. Alors, les mouvements sociaux, ce qu'ils ont de formidable, c'est qu'ils réinventent à chaque fois des choses. Que les jeunes aujourd'hui qui se heurtent à des tortues ninja harnachées qui leur tapent dessus sont en train de faire l'expérience de ce que c'est qu'une soi-disant démocratie. Mais on va nous rebattre ou rabattre, je ne sais jamais comment on dit, moi, pour moi c'est rabattre les oreilles sur les fameuses élections l'année prochaine, c'est insupportable. C'est-à-dire que si de nouveau on va toutes les récupérations, parce qu'il y en aura, qu'il va y avoir sur ces mouvements de base, de fond, qui sont en train de se faire dans la société, jeunes, moins jeunes, homosexuels, pas homosexuels, on s'en fiche, c'est les besoins élémentaires de l'individu et d'aujourd'hui de la société, de vivre en coopération, en solidarité, travail ou pas travail, d'avoir de quoi survivre, faire vivre dignement sa famille, etc. C'est des besoins élémentaires que le système ne produit plus. Et il faut que ça parte de la base pour redéfinir tous ces besoins élémentaires, comment on se bat pour. L'exemple que tu donnais de dire effectivement aux policiers, derrière ton casque, c'est un être humain, nous sommes tous des êtres humains. Et d'arriver, dans tous les grands mouvements qu'il y a eu, si on n'arrivait pas à faire passer de notre côté les soldats qui venaient combattre les mouvements, etc. Et les mouvements étaient défaits. Bon, il ne faut pas avoir peur des défaites, mais malheureusement, il y en a beaucoup depuis deux siècles. Mais il y a aussi des grandes victoires. Et la victoire, c'est surtout de s'organiser, d'être capable de parler, d'avoir une méthode pour arriver à des choses communes et à la fois de les produire, mais de jamais oublier qu'on est dans des rapports de force très, 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 très fort et qu'en face de nous, c'est terrible ce qui se passe. Non seulement le système politique, le système judiciaire pour certains, le système de la prison, le système policier, etc., militaire. Il ne faut pas être ni dans l'angélisme, ni dans le conflit à tout prix, mais le conflit, il existe, c'est un rapport de force sociale. Le peu de riches qu'il y a, ils ne sont sûrement pas prêts à lâcher. Ni les politiques qui sont à leurs bottes. Voilà. Ouais, je peux... Non, madame. Pablo. Monsieur, vous allez devant vous. Non. Ah, pardon. Mais moi, est-ce que je peux. Non, c'est pas moi. Le monsieur avec la marinière de Laurent Montebourg, là. Voilà. Non, parce que je voulais apporter un témoignage. De Arlo Montebourg. D'accord. J'en ai pas pour longtemps, mais parce que, en fait, voilà, moi je suis enseignant et j'anime un groupe d'élèves qui s'appelle d'ailleurs Demos, et qui, c'est pas de l'espagnol, c'est carrément le grec, Demos, et qui a une page sur Facebook. Et je voudrais dire que, voilà, c'est une quinzaine de jeunes. On est parti, on s'est organisé au début du mois de janvier. On ne savait pas, bien sûr, ce qui allait se passer. Et c'est des jeunes qui réfléchissent ensemble et qui, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à l'organisation, enfin à l'auto-organisation de base, si on veut, ou bien le rapport aux partis politiques, moi, je constate qu'en fait, ils n'ont pas de complexe, en fait, hein, les jeunes. Ils sont prêts à toutes les formes d'action. Ils sont prêts à côtoyer les partis politiques et ils en côtoient. Ils sont en dialogue avec des militants qui viennent même à la sortie du lycée. Il n'y a pas de problème. Certains sont militants, mais en même temps, ils discutent entre eux, ils pensent ensemble et ils sont d'autant plus forts actuellement pour ce qui est du blocus du lycée, hein, où ils sont, que précisément, ils ont cet échange entre eux et aussi avec d'autres formes d'organisation politique. Voilà, l'idée, c'est que je crois qu'il faut agir.
Essayer de faire feu de tout bois. Il n'y a pas de raison de poser le discours de la méthode avant l'action. Je crois que la question de la forme qui a souvent été débattue, sous quelle forme, et même la forme de la conflictualité, je crois qu'il faut la subordonner à la question d'abord effectivement du projet. Je crois que c'est vrai qu'il faut être pour avant d'être contre, mais en étant pour, forcément on sera contre aussi quelque chose, parce qu'il y a, comme tu disais, il y a une classe même en face, c'est pas seulement des gens, ils sont très organisés, ils ont beaucoup de leviers puissants, et donc oui, il faut être pour, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur d'être contre, donc, et ça va venir nécessairement le conflit. Voilà, c'était juste ce témoignage que je voulais apporter. Merci. Alors maintenant, vous, monsieur. Ouais. Non, mais c'est enregistré. C'était pas par rapport à ce que vous disiez. C'était juste une illustrer ce que vous disiez par une chanson. Vous disiez que sous la peau, il y a l'homme. Et il y a une chanson qui s'appelle Les Oiseaux qui dit exactement ça. Je ne sais pas si vous la connaissez. Sous l'uniforme, il y a la peau. Une chanson qui du début du XXe siècle qui a été reprise par Casse-Pipe. Voilà. C'était une petite remarque. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre au mouvement 15e qui pourrait fédérer les gens en France. Par exemple, le mouvement avait commencé grâce, entre autres, à un groupe qui s'appelait Démocratie réelle. Et ça veut dire, ici en France, je pense qu'on voit les problèmes. Démocratie, aujourd'hui, ça veut dire aller chaque 4 ans, voter, et ça y est, c'est fini. C'est ta parole, t'as rien à dire. Et ça, je pense que ça pourrait fédérer beaucoup de gens autour de ça, comme la loi du travail. Et en train de le faire. Il y a plein de questions qui sont très transversales. On pourrait analyser tout ça et se mettre ensemble. Par contre, il y a une chose, je voudrais vous poser une question à Amador. C'est très bien, l'Assemblée n'est pas parfaite, moi je suis d'accord. L'Assemblée, finalement, c'est un endroit où gagnait la personne qui restait plus de temps là à parler. Mais c'est un peu la question philosophique étudiée par beaucoup de penseurs comme Foucault, de les pouvoirs, comment est-ce qu'ils travaillent les pouvoirs. Mais par contre, je ne vois pas trop de pensées en comment lutter contre les pouvoirs, comment les faire disparaître par rapport à la démocratie. Oui, l'Assemblée ne marche pas, il faut avoir des petites notes, mais est-ce qu'on peut avoir une démocratie réelle ou pas? Parce que si l'Assemblée ne marche pas, si le Parlement ne marche pas, si on ne peut non plus se réunir tous les temps, on ne peut pas prendre les décisions ensemble si facilement que ça, est-ce qu'on pourrait arriver un jour à avoir vraiment une démocratie, la démocratie réelle que les 15e visaient, ou ça c'est plutôt une chose on ne va jamais arriver? Donc, deux, trois choses. Je vais répondre à la question sur l'Europe. Après, je voudrais répondre à ce que tu as dit sur les jeunes qui, en bande, qui s'en prenaient au blanc, là, machin, là, voilà. Voilà, et puis, voilà. Et puis, autre chose. Là, sur le 15e, j'ai la photo de la première assemblée générale qui a eu pendant le 15e, au soir, hein, donc, c'est-à-dire, où il y a 40 jeunes par terre. Il n'y a personne autour, Plaza del Sol. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. C'est un copain qui me l'a envoyé. Et ils étaient 40. Et ces jeunes, il n'y en a aucun qui imaginait, parce que ça a été fait par les réseaux. Effectivement, c'est des jeunes qui se connaissaient déjà avant dans les luttes. Il ne faut pas non plus. Voilà, donc l'agilisme, il est là. Voilà. Jamais ces jeunes se seraient imaginés qu'à partir de ce moment-là, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Parce que quand même, donc 5 ans après, c'est quand même une référence, y compris internationale, ce qui s'est passé. Mais juste un élément important, et je pense que ça compte aussi en France, c'est que le mouvement a pris aussi, non pas pour des questions idéologiques, mais c'est parce que ces jeunes ont vécu une répression ce jour-là qui a fait rappeler aux parents, aux gens comme moi,
hein, que j'étais adolescent sous le franquisme, et jeunes, qui ont fait penser à ces jeunes une répression de style franquiste. Et ça, ça avait choqué la société espagnole, la population, et c'est à partir de là que c'est parti. C'est parti à partir du moment où les jeunes étaient emprisonnés, on est sortis en disant « libérez-les », et les places ont commencé à se remplir là-dessus. C'est à partir de là que le sujet politique a commencé à se construire. Et je crois qu'aujourd'hui en France, la répression qui est en train d'être faite, etc., vous savez l'image du gamin de 15 ans, de Bergson, etc., je pense qu'en France, c'est une question centrale. Quand les gamins sont réprimés, la société elle bouge, ça l'a fait penser à des choses, etc. Dans la répression brutale et dictatoriale, entre guillemets, qui est en train d'être appliquée, je ne dis pas qu'on est en dictature, je pense que c'est une très mauvaise chose pour le pouvoir, que le pouvoir... moi, je pense qu'il va perdre. Je pense qu'on va gagner là-dessus. Voilà, je ne sais pas. Je fais les paris. Si je gagne, je crois que vous me devez tous une bière, mais je vais rentrer chez moi dans un très bon état. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, par rapport à ce que tu as dit sur les quartiers, pas d'accord du tout avec toi. Les jeunes qui sont descendus casser du blanc, les jeunes qui sont descendus au moment du CPE, ils n'ont pas cassé du blanc, ils ont cassé plein de gens. Moi, je me suis fait dépouiller de mon téléphone portable, mais j'étais avec des jeunes de mon quartier qui étaient tous beurre, blanc, rouge, bleu, vert, de toutes les couleurs. Dans mon quartier où j'habite, il y a 40 nationalités différentes qui aussi se sont fait dépouiller des téléphones par ces jeunes-là. Et parmi eux, il y avait des blancs, des arabes, etc. Donc le problème, il n'est pas là. Je crois qu'il faut faire gaffe à avoir ce discours-là. Le discours qui cherche à dire qu'il y a un mouvement anti-blanc de la part des jeunes des quartiers, c'est un discours dangereux. Tu l'as peut-être pas dit, mais en tout cas, je préfère prévenir, etc. Ne rentrons pas là-dedans. C'est pas... Alors qu'après qu'il y ait des jeunes ou des gens qui disent ça, oui, on est contre les blancs et tout. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est ultra marginal, ultra minoritaire, et le problème n'est pas là. Voilà. Ensuite, sur l'Europe, effectivement. Alors, tu as interpellé Podemos. Nous. Oui, non, mais je veux dire, non, mais moi je l'ai senti comme ça et à juste titre. Je crois que on n'a pas encore de réponse achevée sur cette question-là. Notre mouvement n'a qu'un an et demi, même Vista Alegre, ça fait un an et demi donc notre congrès. Donc nous, on a choisi de ne pas sortir de l'Europe aujourd'hui telle qu'elle est. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on se contente de l'Europe telle qu'elle est. Ça veut dire que nous, on va vouloir la changer, etc. Donc la dimension européenne, on l'a au sein du Parlement européen. On travaille avec plein de groupes différents. Il y a cette dimension européenne de ce qu'on appelle, nous, la création d'un nouvel internationalisme. Donc ça va au-delà de l'Europe. Mais donc on est en train de prendre connaissance. Il y a des cercles et des mouvements sociaux en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, etc., avec lesquels on travaille. Voilà. Pour créer un peu cet état d'esprit que tu dis, etc. Mais nous n'avons pas de réponse achevée là-dessus. On ne peut pas nous demander à un an et demi, nous, d'avoir une réponse achevée là-dessus, alors que la plupart des partis politiques qui sont en Europe depuis 30, 40, 50 ans, et même compris le mouvement ouvrier depuis un siècle et demi, n'a pas été capable de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Donc on ne va pas demander à un mouvement comme l'autre qu'un an et demi de répondre. En tout cas, on est dans cette dimension-là, et on va la continuer. Tu as bien raison de la poser, même si on n'a pas encore des propositions tout achevées. Par contre, on a choisi de ne pas sortir de l'Europe aujourd'hui. Une chose, et dans ma liste, il ne reste que Camador, comme tu en as des paroles. Si, voilà, c'est juste ça. Et, peut-être on devrait commencer à penser à finir. Et, du coup, si vous voulez, ça c'est le moment de lever la main si quelqu'un veut intervenir. Et puis on ferme directement le turn de parole. Okay, donc c'est disons Amador, Victoriano, quelqu'un d'autre. Ok, perfecto. Marina. Non mais... Pero après, quand même. D'accord, donc... si? Ok. Bon, je vais commencer par répondre à Miguel sur les jeunes, parce que je crois que c'est important de connaître ce qui se passe à ce niveau-là en France pour comprendre, disons, la lutte des classes en France. J'étais là, en tant qu'enseignant, j'étais avec les jeunes, donc j'ai vu, et pas seulement la semaine dernière, qu'on a, enfin, plusieurs manifestations pour ces mouvements lycéens. Et ça s'est joué de la même façon. J'ai même dit, c'est ces jeunes qui viennent, je ne sais pas si c'est du blanc, mais enfin, j'entendais des choses qui étaient assez claires. Donc, il y a une hostilité de ces jeunes de banlieue
envers surtout les jeunes parisiens, disons, à cette époque, et entre eux, parce qu'il y avait à cette époque des jeunes de banlieue qui allaient casser des jeunes de banlieue qui étaient dans le lycée professionnel. C'est-à-dire, c'est très compliqué, mais il y a une vraie haine sociale. C'est ça qu'il faut comprendre, que dans ces pays, cette haine sociale traverse la jeunesse aujourd'hui. Et ça, il faut compter avec ça. Hein. Ça, c'est pour la première chose. Si le 15M a eu autant de succès, je crois que il y avait bien sûr la question des comportements, mais il y avait aussi parce qu'ils ont énoncé des choses très claires, des choses qui pour nous, c'est simplement, pour moi, c'était un retour au fondement de la démocratie, ni plus ni moins. Mais ça venait après 30 ans de libéralisme qui avait tout cassé. C'est-à-dire revendiquer les droits au logement, à la santé, à l'éducation, au travail, c'est essentiel. À avoir des représentants politiques qui ne soient pas tous des corrompus, voire des gens dans les institutions que nous défendons, tout ça, c'est des trucs élémentaires et tout le monde devait se mettre d'accord. C'est pour ça qu'il était transversal. Parce que ça, tout le monde était d'accord. C'est-à-dire, c'était l'évidence même. Mais aujourd'hui, l'évidence même, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils ne vont pas assez loin, ils ne sont pas assez radicaux, mais il y a des gens qui revendiquaient des choses beaucoup plus radicales, mais c'était inaudible, absolument inaudible, parce que les trucs les plus élémentaires nous sont aujourd'hui ôtés. C'est-à-dire, on n'a pas ces droits qu'on avait il y a 20, 30 ans. Non, je commençais par là. Enfin, les fondements de la démocratie. Alors, ma question va être un peu pour Amador, parce que et lui, et j'entends dans les questions qu'il y a toujours cette confusion entre le 15M et Podemos. Bien. C'est un acte organisé aujourd'hui par Podemos, mais Amador, que je sache, n'est pas dans Podemos. Donc, voilà, ma question, c'est les réticences qu'on entend sur Podemos. J'aimerais qu'Amador nous parle un peu, hein, parce qu'il parle en tant que quelqu'un qui a vécu le 15M, il veut transmettre ça. Mais où serions-nous aujourd'hui sans Podemos? C'est-à-dire, les mouvements 15M, c'était épuisé en grande partie. On sait qu'un mouvement s'épuise. Il y a un moment de grandeur, un moment de déclin. Est-ce que sans Podemos, on serait où? Est-ce que Podemos a entravé les mouvements ou est-ce que Podemos a continué les mouvements? Pour moi, c'est la question fondamentale que je me pose et que j'aimerais que Amador me donne son opinion. Voilà. Il reste trois turnes de parole. Avec Marina, Alberto et Amador. Amador, on vient de te poser une question directe. Est-ce que tu voudrais répondre par interpellation ou tu préfères laisser la réponse pour après? Ça marche, ok. Donc, Marina. Si. Moi, je voulais poser une question à Amador à propos de quelque chose dont on n'a pas parlé ici encore beaucoup et qu'il a nommé. Cette nécessité de changement de subjectivité justement pour la construction d'une démocratie réelle et d'en bas et pour faire avancer les choses. Hein. Donc, ¿m'entendiste? Lo que quisiera saber si de la subjetividad y también si es posible si pudieras decir algo más sobre el la historia del conflicto, porque aquí en Francia en general me da la impresión a mí, je pense que les gens fuient le conflit ou tout ce qui a trait un conflit est vu comme quelque chose de dangereux. Ils ne voient pas comme je crois qu'on voit chez Podemos et dans le 15e, le conflit comme source de vie, d'énergie, et comme, comme un phénomène qui a en soi une inertie, un mouvement vers l'avant ou vers le côté ou vers l'arrière, mais en tout cas quelque chose de dynamique. Voilà. Donc, j'avais aussi une question pour finir. Je voulais savoir si Amador, tu ne penses pas qu'avec des images anonymes et concrètes, comme celles que tu nous as racontées sur la façon d'interpeller les policiers pour arrêter une expulsion, si c'est pas à travers des images comme ça qu'on peut créer des espaces des luttes contre le capitalisme, contre le néolibéralisme dans les trois sens
dont tu nous parlais tout à l'heure, si ce n'est pas avec ce type d'image. Tu demandais, et ta deuxième question, c'était la création de nouvelles images pour la gauche. Et donc, je voulais conclure avec ça. Merci. Je crois qu'il est en train de réfléchir. Votre tas de questions. De la réflexion et l'action. Droupi. Bueno, de nuevo, no son respuestas, son elementos para continuar la discusión, aunque no sea aquí y ahora, pero... Ce ne sont pas des réponses toutes faites, ce sont plutôt, il va répondre, ce sont des éléments pour continuer la discussion qui ne va pas forcément être réglée ici. En este sentido de que lo importante son las preguntas y los problemas y desde luego no creo que podemos estar seguros de que se equivoca quien crea tener hoy la línea correcta, ¿no? Donc c'est dans ce sens-là que donc c'est surtout des questions des problèmes qu'on se pose et qu'il n'y a pas on ne pourrait pas sortir d'ici avec quelqu'un qui a la vérité infuse et la science infuse. La primera cuestión que me he apuntado sería la cuestión de la asamblea. La première question que ce serait plutôt celle de l'assemblée. Hace muy poco por estos autores franceses Laval y Dardot he conocido la figura de Jean Houry. Il y a très peu de temps au travers des deux personnes donc j'ai oublié le prénom là, tu répètes. Christian Laval et Pierre Dardot. Voilà, et tu as connu? J'ai connu Jean Houry. Jean ou Jeanne? Jean. Un gars ou une femme? Un gars. Je connais pas. Un gars. Jean Houry, voilà. Un mec. Moi, un mec. Bueno, digamos, le he conocido recientemente, no soy un experto. Donc, il a connu récemment, ce n'est pas un expert. Es, digamos, fundador de lo que se llama psicoterapia institucional. C'est le fondateur de quelque chose qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Trabajaba con otra gente muy conocida como Guattari en la clínica de Laborde. Donc, il travaillait dans la clinique de Laborde avec Guattari, etc. Y él tenía esta idea de, según me transmitieron Christian y Pierre, ¿no? De... Et donc, cette personne avait avec l'idée suivante, enfin, qu'on lui transmis les deux personnes, je ne sais pas non. De no instalar en el centro de la toma de decisiones una asamblea general. De ne pas installer dans le, comment dire, comme thème central, comme point central des décisions, hein, pour tout le monde, les assemblées générales. Une assemblée générale. Sino, esto, digamos, la asamblea central todavía correspondería a la filosofía del sujeto soberano. Parce que dans ce cadre-là, la G répondrait à la philosophie de l'objet, de ce qu'on dit de l'individu comme objet souverain. Él hablaba más bien de multiplicar los espacios de acogida. Il parlait plutôt de la multiplication des espaces d'accueil. De la diferencia y de la singularidad. De la différence et de la singularité. Es decir, que la asamblea es torpe. En el manejo de la singularidad y de la diferencia. C'est-à-dire que les assemblées sont un peu, comment dire, torpe, oui, bancale, un peu, comment dire, maladroite, dans la question des décisions. Y pensar, repensar la cuestión de la decisión. ¿Qué es tomar una decisión? Et repenser la question de qu'est-ce que c'est que prendre une décision. Tomar una decisión no es algo que ocurra en un momento dado. Prendre une décision, c'est pas quelque chose qui arrive dans un moment donné. Sino que es más bien un proceso de maduración que en determinado momento cristaliza. Mais c'est plutôt un processus de maturation qui à un moment donné se cristallise par une prise de décision. No es tanto que tomemos una decisión. Donc il ne s'agit pas donc de prendre une décision en soi. Sino que más bien somos tomados por la decisión. Mais le mieux, c'est que nous-mêmes soyons pris par cette décision. Que la décision soit nôtre.
Lo que ocurre muchas veces en una asamblea es que se persigue directamente tomar la decisión. Ce qui se passe souvent dans les assemblées, c'est que par un certain raccourci, on veut à tout prix prendre une décision. Pero muchas veces, más bien, lo que hay que alimentar es un proceso de deliberación. Un processus de comment on en arrive à la prise de décision. Un processus de délibération. De délibération, de pensée collective. En espacios múltiples. Dans des lieux multiples. Y esa maduración de una discusión. Es esa maturación de una discusión. Puede ser la que en determinado momento cristalice una decisión. Donc, sera ce qui, à un moment donné, cristallise une décision. Esto ocurrió, por ejemplo, en el campamento del 15M. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans le campement du 15M. À dónde? Cuando, en Sol. À Madrid, voilà, à Sol. Cuando la asamblea tomó la única decisión que logró tomar. Quand l'Assemblée a pris la seule décision qu'ils ont réussi à prendre, solo tomamos una decisión, ils n'ont pris qu'une seule décision, que es disolver el campamento, qui est de dissoudre l'Assemblée. Era una decisión muy importante. C'était une décision très importante. Mi idea, las asambleas duraban 6-8 horas. Donc, son idée, ce qu'il veut expliquer, c'est que son idée, c'est que. Parce qu'il faut savoir que les AG duraient 6 à 8 heures. Discutiendo, sí, terminar con el campamento y llevar el movimiento a los barrios. Donc, ça se terminait souvent par la discussion. Est-ce qu'il vaut mieux pas terminer le campement, l'occupation de la place et de transférer le mouvement dans les quartiers? Asambleas apasionantes, realmente apasionantes. Donc, c'était des assemblées réellement passionnantes. A mí me convencían todas las intervenciones. Il était d'accord avec toutes les interventions. Porque era realmente una palabra libre, lo contrario de lo que pasa en un parlamento, ¿no? Voilà, parce que c'est une parole libre, le contraire de ce qui se passe dans un parlement ou une assemblée, disons, institutionnelle. Una palabra que puede mover las cosas en una situación abierta, ¿no? Voilà, une parole qui peut faire bouger les choses dans une situation ouverte. Pero mi idea es que la decisión estaba tomada antes de llegar a la asamblea. Mais son idée, c'est qu'en fait, la décision était prise déjà avant d'arriver à l'AG. En 1000 grupos, comisiones, rincones. Voilà. Dans des milliers de coordinations, de groupes, de commissions, etc. De coins, de. Enfin, de conversaciones informales. De discussions informelles. De alguna manera, ya, digamos, la decisión ya se había tomado. Quelque part avant de faire l'AG, la décision dans la tête des gens avait déjà été prise. Y la asamblea lo que hizo fue cristalizar un consenso. Et donc l'AG a servi surtout à cristalliser et à définir ce consensus entre les gens. El consenso significa un sentimiento compartido. Donc le consensus signifie un sentiment partagé. Consensus, ¿no? So, creo que la función de la asamblea es no de ser el motor central, sino de cristalizar otras cosas. Donc, la función de la asamblea, ce n'est pas d'être le moteur central de la prise de décision, mais c'est plutôt de cristalliser d'autres choses qui sont capables d'aller plus loin. Je sais pas, pour les croyants, peut-être. Yo creo que es la vida, sí. Il pense que c'est la vie, tout simplement, que c'est comme ça que ça se passe. Je crois que quand uno personnellement quiere tomar una decisión. Miguel, atento. Bueno, no sé, parce qu'on m'a interrompu là. Yo creo que personalmente, a veces, que uno quiere tomar una decisión. Lui pense que personnellement, quand quelqu'un veut vraiment prendre une décision. Tiene un proceso de deliberación interno. Donc avant de prendre la décision, il réfléchit un minimum, quoi, là, dans sa tête. Y a veces se levanta una mañana con la decisión tomada. Et puis tout à coup un matin se réveille avec la décision déjà prise. La décision se décanta, prende. La décision prend racine, prend corps. Nos asalta, más que tomarla, ella nos asalta a nosotros, ¿no? Voilà, c'est les décisions qu'on doit prendre qui sont au-dessus de nous, qui nous prennent nous-mêmes. Et en fait, c'est la décision qui nous prend nous et après nous on transmet cette décision. Qui nous saute dessus. Je crois que no es magia. Voilà le vrai terme. Es la vida, es la vida, sí. Bueno. C'est la vie qui est comme ça. Je crois que c'est plus proche à la vie.
Con respecto a las imágenes anónimas. Alors, sur la question des images un peu anonymes là, que tu as développé, Alberto. Hay un pensador francés también. Yo, todas mis referencias son francesas. Donc, il y a un penseur ou un intellectuel français. Toutes ses références sont souvent françaises. C'est Jacques Rancière. C'est Jacques Rancière. Que habla de las ficciones políticas. Qui parle des fictions politiques. Él dice que todo movimiento político necesita necesariamente una ficción. Donc, lui, il explique que obligatoirement tout mouvement politique a besoin de quelque chose de fictif, une fiction. ¿Qué es una ficción? C'est quoi une fiction? Es un nombre de cualquiera. C'est un nom de quelconque. C'est un nom de quelconque. C'est un nom de quelqu'un. C'est difficile à traduire. Vous avez compris ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une meilleure définition? Est-ce que quand... Un récit. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est la que un nom. C'est quand aparece un nouveau nosotros. Aparece voilà. Un nouveau nosotros. Quand il apparaît un nouveau nous. Necesita un nombre. Il y a besoin d'un nom. C'est, par exemple, de le nommer. L'homme citoyen dans la Révolution française, les prolétaires, nous sommes tous juifs allemands, ou nous sommes le peuple dans l'Égypte. Je traduis là. Non. Et pour Rancière, ce sont des identités non identitaires. Donc pour Rancière, ce sont des identités non identitaires. Parce que sont espacios en los que cualquiera puede participar. Parce que ce sont des lieux, des espaces dans lesquels chacun, enfin n'importe qui ou chacun peut participer. Es el la función del nombre indignados. C'est le rôle du nom indigné. Todos podemos en incluirnos como indignados. Nous pouvons tous nous inclure comme indignés, dans les indignés. Es una decisión subjetiva. C'est une décision subjective. No es una condición sociológica de clase ideológica. Ce n'est pas une condition de classe sociologique idéologique. Es una decisión subjetiva de relación con el mundo. C'est une décision subjective de chacun de relation avec le monde. Y en el movimiento 15M había muchas ficciones políticas. Et dans le mouvement 15M, il y avait de multiples fictions politiques. También copiada de Estados Unidos, somos el 99%. Par exemple, les indignés disaient aussi qu'ils faisaient référence à Occupy Wall Street en disant nous sommes les 99%. No es verdad que somos 99%. Ce n'est pas vrai que nous sommes 99%. No, es una ficción. Voilà, c'est une fiction. Pero una ficción que abre un nosotros para todo el accesible voilà. A todo el mundo. Mais c'est une image qui parle et qui nous permet de nous reconnaître quelque chose et qui nous ouvre à des discussions avec tout le monde. La potencia de las ficciones políticas es, voilà. Es enorme. Donc dans ce cadre-là, la puissance des fictions politiques, des symboliques est importante. Y no es exactamente el anonimato porque es un nombre. Mais ce n'est pas l'anonymat non plus, puisqu'il y a un nom, donc c'est identifié. Pero es un nombre de cualquiera, un nombre accessible a cualquiera. Voilà, mais c'est une référence qui est accessible à tout le monde. Il n'est pas le sauveur suprême. Si, le peuple. Y por último, con respecto a lo que decía Victoriano... Oh, pardon. La pregunta de Victoriano sobre Podemos. Ah oui, et donc par rapport à la question de Victoriano sur Podemos. Yo creo que el movimiento 15M, como hemos dicho antes, tiene sus propios problemas. Donc je pense que le mouvement 15M a ses propres problèmes à lui-même. Y de alguna manera entra en crisis. En 2013. Et que ce moment-là, quelque part, a commencé à rentrer en crise en 2013. En impasse, en désorientation. Dans le manque de perspective, le manque d'orientation. Mi idea no es que Podemos detiene el movimiento. Donc son idée n'est pas que Podemos a freiné, a arrêté le mouvement. El movimiento se detiene solo por una multiplicidad de factores. Le mouvement s'est arrêté plus ou moins seul par une multiplicité
par une multiplicité de facteurs. Deja un vacío, pero un estado de opinión transformado en la sociedad española. Dans le mouvement a laissé un vide, mais en même temps un état d'esprit transformateur dans la tête de la société. A transformé l'imaginaire dans la tête des gens. Y digamos, es eso lo que, digamos, con lo que juega Podemos, ¿no? C'est avec ça qu'aujourd'hui Podemos enfin joue, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est à ça qu'a faire aujourd'hui Podemos plutôt. Traduire l'opinion publique transformée en poder politique. Donc traduire l'opinion publique qui s'est transformée, hein, ce que disait Pablo, dans un pouvoir politique. Mi lectura sobre la situación es agridulce, es ambigua, es ambivalente. Donc ma lecture sur la situation est aigre-douce. Ambigu, ambivalente. Yo lo que digo es que hemos ganado y hemos perdido. Ce que je pense c'est que nous avons vaincu et que nous avons perdu. Si? Pareil. On a gagné et on a perdu. On a gagné. Hemos ganado en el sentido de que con la victoria de los grupos municipales y posiblemente con la aparición de Podemos en el poder político. Donc nous avons gagné par exemple dans les nouvelles municipalités du changement qu'il y a et aussi dans l'apparition politique de Podemos en tant que tel. Que realmente ha transformado todo el paisaje político español. Qui a vraiment transformé le paysage politique espagnol en profondeur. Creo que pueden cristalizarse algunas demandas del movimiento muy importantes. Donc je pense que beaucoup de demandes du mouvement très importantes peuvent se cristalliser par ce biais-là. De mouvement, de la gente. Des gens. Por otro lado, creo que, digamos, d'une autre part, creo que se ha reinstalado una lógica de representación y de delegación que de alguna manera traiciona el espíritu de las plazas. Donc il pense qu'aujourd'hui quelque part on a réintroduit une nouvelle manière une certaine délégation qui quelque part trahit ou atténue la puissance de l'occupation des occupations des places. En el sentido de que volvemos a ser espectadores de la política. Dans le sens où on a plutôt tendance à être de nouveau des spectateurs de la politique. Y la política vuelve a separarse de la vida cotidiana. Et donc la politique en tant que telle se sépare de nouveau de la vie quotidienne. Ahora mismo podemos elegir mejores canales para mí. Aujourd'hui, nous pouvons choisir de meilleurs canaux. Pero seguimos en una posición de espectadores, opinadores, votantes. De la politique. Mais nous continuons à être dans une position de spectateurs, de votants, enfin de gens qui votent pour une nouvelle politique. Et je crois que non se trata de cambiar de políticos. Et donc il ne s'agit pas donc de changer de politicien. Sino que los desafíos de la crisis civilizatoria en la que vivimos, que no es solo económica. Mais que les défis de la crise civilisationnelle qu'on vit, qui n'est pas uniquement une crise économique. Exige no cambiar de políticos, sino cambiar nuestra relación con la política. Exige no forcément de changer le personnel politique, mais de changer notre définition de la politique. Nuestra relación con la política. Notre relation avec la politique. En el sentido de nuestra relación con la acción y la pregunta por cómo queremos vivir juntos. Donc dans le sens de repite. En el política en el yo no sé francés. Vas-y, parce que je politique dans le sens de l'action de la question de comment vivre ensemble. Comme une question plus large de comment est-ce que nous voudrons vivre ensemble. Organiser notre vie ensemble. C'est bon. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça y est. Hein. Si je me permets, je me permets d'être très court. Attends, je me. Ah merde. Y a Marina, attends. Sí, es verdad, tengo aquí apuntado. Responde. Sí, porque está Miguel que no puede más. No, he tenido un pequeño mareo. No, pero puedo decir. Sí, algo. Sí, responde a Marina. Es lo que iba a decir. Quería vincular otra diferencia mía con respecto a Podemos con lo que ha planteado Marina.
¿Quieres traducir tú, Pablo? Que está. Sí, vos volé. Porque Miguel está acá. Sí, sí, he tenido un mal. Ok, ¿a vos? No, pero vean. ¿Se va? Sí, ahí está el negro. Ok, écoutez, de toute façon, je dois dire, bon, probablement vous avez déjà perçu que mon français est légèrement plus pénible que celui de Miguel, qui est carrément bilingue. Et moi, je ferai de mon mieux, mais je bouscule un peu avec la langue. Mais vas-y. Bueno, contestar algo a Victoriano, que contesta también un poquito a lo de Marina. Oui, oui, je voudrais répondre à quelque chose voilà, par rapport à la question de Victoriano, mais aussi à celle de Marina. Sí, cógete agua, vete, claro. Yo creo que hay una diferencia... Sí, ha bebido. Que hay una diferencia... Una diferencia fina, pero que es importante. Ok, je crois que l'indifférence, voilà, est subtile, fine, mais quand même importante. Entre la política como intervención sobre la opinión pública. Entre la política telle qu'intervención sobre la opinión pública. Y la transformación de la subjetividad. Y la transformación de la subjetividad. Yo creo que Podemos es sobre todo una intervención en el ámbito de la opinión pública. Je crois que Podemos supose surtout une intervention sur le plan de l'intervention publique. Pero el plano de la subjetividad es un plano mucho más profundo. Mais le plan de la subjectivité est bien plus profond. Es un plano que toca nuestra manera de estar en el mundo, de relacionarnos con el otro. C'est un plan qui touche notre façon d'être dans le monde, de nous lier aux autres, à l'autrui. Relativamente independiente de nuestras opiniones. Relativement indépendant de nos avis. Entonces yo creo que son los movimientos, digamos como el 15M o tantos otros, que logran transformar la subjetividad, transformar los afectos, ¿no? Oui, alors je crois que c'est le mouvement tel que 15M o similaire, ceux qui réussissent à transformer la subjectivité, les affects. A dar la batalla en el campo de la sensibilidad. Oui, a livrer la batalla sur le champ de la sensibilité. Oui, le conflit, oui. Y que, digamos, creo que es diferente a dar la batalla en el campo de la opinión. Oui, et là, il y a une différence claire par rapport à la bataille de l'opinion. Que se da en lo mediático, oui. A través del discurso, qui, a través de la idea, a través de los intelectuales. Qui a lieu dans les médias, à travers des discours, à travers les intellectuels. Y digamos, la cuestión de la subjetividad creo que está vinculada a la cuestión del cuerpo mismo. Oui, d'ailleurs, la question de la subjectivité est profondément liée, intimement liée à la question du corps. Et ya está. Et ça y est. Que... okay, c'est bon. C'est bon. Merci à tout le monde.